Bonsoir et bienvenue à toutes et tous, bienvenue aux sociaux de Web Girondin TV, bienvenue à tous les supporters et toutes les supportrices des Girondins de Bordeaux et aux fans de foot. Bienvenue dans l'émission qui va essayer d'analyser l'actualité des Marinés Blancs. Je suis très content de vous retrouver et d'autant que je suis hyper bien entouré encore une fois. Je vous présente l'équipe autour du micro. On commence avec Monsieur Gino Forte et son beau pull, beau sweat marine et blanc. Ouais. Salut Gino. Salut Nico, salut à tous. Comment ça va? Eh bien écoute, plutôt bien, malgré la défaite qu'on a vue ensemble samedi des filles, où c'était vraiment quand même un moment agréable à passer avec pas mal de sociaux qui étaient avec nous, notamment Jacques, ton salut, qui était juste devant nous, entre autres. Mais on a passé un bon moment malgré tout, malgré la défaite. Et on espère qu'elles vont s'accrocher jusqu'au bout, car il y a quand même des joueuses qui se donnent et un entraîneur qui a l'air quand même d'avoir une sacrée mentalité pour ne rien lâcher, malgré les difficultés. Exactement. Une émission se prépare sur les filles, certainement jeudi. On vous en dira plus dans les prochains jours. Il est là à ta droite, c'est Monsieur Samuel Vasselin. Salut Samuel, comment vas-tu? Alors, salut Nico, salut à tous. Salut, bon, on t'entend très très bien. Bon, on s'est fait des frayeurs avant, on peut le dire aux gens. Oui, non, mais ça va, on est rodé. Mais là, le son, l'image, tout est bon. Tout est bon, Samuel. Samuel qui n'est pas dans son lieu habituel, donc c'est parfait. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Bon, écoute, en vacances depuis une semaine, donc ça ne peut qu'aller. Eh bien, merci d'être avec nous pendant tes vacances, écoute. Bon, ça fait partie des vacances, ça fait partie du programme. Merci Samuel. Monsieur Jonathan D'Agostino, qui est de blanc vêtu. On est habillé quasiment pareil, Joe. On n'a pas fait exprès. Ouais. Il y a juste la couleur qui varie. Comment ça va, Joe? Bienvenue. Eh bien, écoute, moi ça va. On a passé effectivement un bon petit samedi ensemble, là, du coup, avec le match des filles, malgré le résultat. Donc voilà, c'était agréable de se retrouver un petit peu en tant que supporter, tous ensemble, du coup. Donc voilà, un bon petit moment et un bon petit week-end avec la reprise aujourd'hui, donc avec tout le monde, avec Web Gironde, donc tout va bien.
Exactement, merci Joe. C'est vrai que c'était sympa ce match par le résultat. On y a cru jusqu'au bout, hein, cette occasion de Gutiérrez à la fin, là. Oh là là. On l'a vu Oh là dedans. là. Ouais, on l'a vu dedans. On l'a vu dedans. Et vous l'avez vu, il est là, il est au centre de l'écran. C'est son retour, c'est Monsieur Conan. Comment ça va, Conan? Bienvenue à toi. Salut Nico, salut l'équipe, salut tout le monde, les sociaux, les supporters. Ça fait du bien d'être de retour, enfin. Et pour durer, du moins dans un combat avec Thomas, on va essayer de se battre pour avoir cette place de titulaire. Voilà, on le salue à Tom. Bien sûr. On salue et bien Allez. sûr que vous alternerez tous les deux. Voilà. Donc, Bien sûr, voilà. Dans tous les voilà, cas, bon. y a besoin. Je peux pas être tout le temps des fois là. Donc, comme ça, il y a toujours quelqu'un Chacun. qui peut assurer le rôle avec les supporters et les chatters. Voilà, donc tu Voilà. t'occupes du chat, Conan. Est-ce que tu as un message à passer au chat? Alors, j'ai un petit message pour le chat, oui, bah, que tout continue à se passer bien, comme ça se passait avec Thomas, parce que je continue à suivre les émissions, il assurait très bien et tout le monde était toujours aussi parfait et correct sur le chat. Maintenant, petit message à Mélie M, qui est une nouvelle abonnée de la chaîne, et c'est ma copilote, messieurs, dames, donc. Je vous remercie pour l'acclamer à son arrivée. Voilà. L'amour est dans le talk, comme Bisous, on la salue, hein. Et L'amour est dans le Voilà, talk, on Mélanie, la elle salue. s'appelle. Eh bien, écoute, on la salue à Mélanie, à Conan. On voit que ton appel la dernière fois a porté ses Porter ses fruits. fruits. Voilà. Voilà. Vous savez tout, voilà. Sinon, on a eu le petit feuilleton de la vie sentimentale de Conan. Donc, ah, ben regarde, ah, regarde, regarde. Et voilà, c'est pas beau le message, oh, c'est beau. Je crois qu'on est reparti sur M6 en fait, les gars. Ah là, c'est beau. L'amour est dans le talk, les gars. L'amour est dans le Ah. talk. Allez, on va parler des Girondins. Déjà, je rappelle qu'on est diffusé en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. Pensez à vous abonner aux réseaux sociaux. Sur YouTube, on est à 9 570. C'est formidable. Bientôt à 9 600. Merci à vous de nous suivre et de nous avoir suivis jeudi pour les commentaires du match. Du match amical avec Geoffroy, Alexis et Romain. Romain. Donc c'était top, je les salue. Excellent. Si, ouais, c'était très sympa. Ça nous a permis de réagir en direct pendant ce match. D'ailleurs, on va en parler, hein. Je vais vous montrer le sommaire dans un instant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc allez-y. Merci aux sociaux, 247 sociaux. Merci à Adrien qui a renouvelé. Pensez à regarder, parce que vous savez, tous les 24-25, pim, il y a votre soutien qui passe et des fois. Ça passe pas. Donc pensez à regarder. Il y a des. Vous avez peut-être reçu un petit mail si c'est pas passé. Toutefois, messieurs, on salue notre partenaire qui est toujours là, fidèle partenaire. Et je suis très content de les accueillir parce que cette émission est présentée en partenariat avec l'écosystème Capalea, Capemprunt et Cap20. C'est simple, c'est Capalea pour renégocier vos assurances, Capemprunt pour financer vos projets et Cap20 pour vendre et acheter votre bien immobilier. Ce sont deux agences de courtage. Regardez deux. Avec mes doigts, situé en Gironde et dans les Landes, où il y a Lucie et Thierry et leurs équipes qui vous accueillent pour des conseils personnalisés, des tarifs particulièrement négociés. Appelez-les, vous êtes nombreux à l'avoir fait déjà à ce numéro qui s'affiche sur votre écran, 07 83 31 39 48. Et Thierry sera avec nous la semaine prochaine, sûrement. Un petit moment pour débriefer le match. Et c'est un grand supporter des Girondins, et il apportera son regard. Également, et vous savez qu'ils sont très généreux et qu'on fait gagner, ils font gagner un maillot domicile enfant, un maillot des Girondins domicile enfant qui est à gagner depuis la page Facebook de Web Girondins et leur page Facebook à eux. Donc c'est avec Cap20, donc allez-y, le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, messieurs, on les salue et on les remercie du soutien. Et regardez ce beau sommaire. Bordeaux-Clermont, parce qu'on a quand même eu un match, même si c'est la trêve, on a eu un match de préparation avec des essais de David Guillon. On va en parler ensemble. Qui sont les leaders de l'effectif? C'est un thème que vous m'avez soumis, messieurs. Joe, que tu as soumis, et Gino en avait déjà parlé. On va parler de leader de l'effectif
dans l'effectif des Girondins. Et on accueillera un ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Je ne vous dis pas qui c'est, on vous fait une petite surprise. Il sera vers 20h10, 20h15 pour nous apporter son regard de vestiaire, si tout se passe bien. Mais il n'y a pas de raison. Ensuite, on parlera calendrier et série de matchs. On fera un peu les pronostics sur la série de matchs qui arrive, parce qu'il y a une série de 6 matchs jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde. Et enfin, on parlera de Laval-Bordeaux. Compo, enjeu, pronostic. Et puis voilà. Est-ce que ça vous convient? Bah écoute, oui. Hein. Ouais, ça va. On est très bien. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que vous avez tous vu le match, hein, je crois, de. Mm. Ouais, tout le monde l'a vu. Eh bien, messieurs, est-ce que vous voulez qu'on fasse comme les enseignements, ce que vous avez retenu, et après on rentre dans l'analyse ou. On part direct sur les essais de David Guillon. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va partir directement sur les essais parce qu'après, ça reste un match amical. Donc après, tirer des enseignements. Oh. Et comme il y a eu beaucoup de tests en plus, peut-être mieux décortiquer tout ça et après voir ce qu'on peut en tirer. Eh bien, écoute, on va partir sur les essais. Samuel, ce match, les essais de David Guillon, puisque c'est l'angle un peu qu'on a choisi pour s'occuper, pour traiter ce match et en discuter. Qu'est-ce que tu retiens avec une défense à 3 qui a été testée en première mi-temps? Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Non, déjà, rien que le groupe qu'il avait annoncé était assez surprenant, entre guillemets, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein, mais il y avait des joueurs qui n'étaient pas partis lors de cette trêve qui ont été mis au repos. Donc, c'était intéressant de voir, entre guillemets, quel joueur il est au repos et, entre guillemets, quel joueur. Bon, il y en a, on sait qu'ils étaient en quête de rythme. On pense à Barbé ou Simba, mais quel joueur aussi, entre guillemets, il voulait tester sur ces matchs-là. Donc, c'était intéressant. Moi, j'ai vu globalement un bon Bordeaux sur cette rencontre. J'ai mis du temps à comprendre si c'était un 3-5-2 ou un 4-4-2 au début parce que je connaissais pas Mwanga, enfin pas Junior Mwanga, l'autre Mwanga, je connaissais pas, enfin je l'ai vu rapidement cet été en prépa, mais je connaissais pas vraiment son poste et ses caractéristiques. Et depuis, j'ai toujours été surpris les rares fois où je l'ai vu rentrer à ce poste-là, donc je savais pas si c'était un milieu un petit peu, voilà, justement en 4-3-3 ou si c'était un espèce de 3-5-2. J'ai trouvé ça globalement intéressant. Maintenant, le joueur que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce système, c'est peut-être Maja. Donc, entre guillemets, pas forcément une vraie découverte. Mais c'était intéressant de tester une nouvelle alternative. On prend deux buts, on va dire, sur des erreurs un petit peu individuelles et de concentration. Mais globalement, je trouve que c'est un... Il y a un effectif qui peut... prêté à cet effectif, à ce système-là pour les prochains matchs. Donc c'était intéressant. Et puis la deuxième mi-temps était un peu plus conventionnelle, on va dire, mais avec des tests, des essais beaucoup plus humains, entre guillemets, avec pas mal de jeunes joueurs, dont notamment le tout petit Lamouliat. Je dis tout petit parce qu'il a 16 ans, donc c'est vrai que ça paraît très, très, même pour moi, ça paraît très, très jeune aujourd'hui. Mais voilà, et donc là, on a Oumakagni aussi qu'on avait vu en prépa. Voilà, là, c'était un peu plus la. Entre guillemets, du temps de jeu accordé à ces mecs-là pour voir si dans un futur proche, ils pourront, enfin proche ou un peu plus lointain pour la Mouliate, prétendre à appartenir à ce groupe. Mais je trouve que globalement, c'est un bon match de préparation de la part de David Guillon. Je pense qu'il a quelques réponses par rapport aux essais qu'il a fait. Maintenant, est-ce que ça va bouleverser ses plans d'avant trêve? Je ne suis pas sûr qu'on voit quelque chose de nouveau à Laval, personnellement. Gino? Sur ce match et les essais, la défense à 3, parce que c'était un peu ça, la curiosité, même s'il y en avait totalement d'autres qu'on attendait. Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je te cache pas, Nico, en le revoyant, là, je l'ai vu dimanche. Moi, je l'avais écouté un peu en audio et je l'ai vu dimanche. Et pour un peu m'attarder sur la première mi-temps qui m'a énormément intrigué dans le bon sens du terme. Parce que pour moi, j'ai vu un 3-4-3 concrètement. Donc, comment on a joué? Voilà, oui, moi aussi. J'ai trouvé d'ailleurs que l'idée d'avoir peut-être Logan de Laurier-Chaubé qui puisse jouer même plus axial que d'habitude et derrière deux attaquants, ce qui fait qu'il s'est créé dès la première minute une première occasion d'ailleurs. Et le faire que David Guillon prenne en main les choses et puisse mettre cette tactique dès la première mi-temps, je trouvais l'intention louable en faisant un temps de jeu conséquent à Sissoko, en mettant Badji dans le bain
avec Maja, et on a vu que l'association des deux joueurs paraissait très complémentaire. Pourquoi ? Parce que Badji a un profil totalement différent. Il amène beaucoup d'impact, beaucoup de densité. Et j'ai beaucoup aimé, même si la relation est à travailler, Maja, par exemple, a mis un centre magnifique à Badji, qui ne marque pas de la tête, mais ça aurait pu être le cas. On a eu des occasions. On a été très proactif sur la première période où on a joué très haut dans le camp de nos amis clermontois, quitte à prendre le risque, et on l'a vu, d'être pris dans notre dos. Ça, c'est clair. Et on en parlera peut-être après des difficultés que ça peut amener. Mais le fait que Guillon ait mis ça en place, j'ai trouvé l'idée très bonne et ça a été plutôt très positif dans le jeu. Pour moi, la première mi-temps a vraiment été de très belles factures dans tout ce qu'on a montré. Donc pour moi, j'en tire des enseignements assez intéressants. Et comme je te dis, de cette première mi-temps, avec pas mal de joueurs qui m'ont plu et dans ce système-là. Joe, t'es aussi, donc c'est assez positif. Hein. On a vu Samuel, c'est positif. Gino qui a beaucoup aimé la première mi-temps, puisqu'on commence par ça, là, ce test tactique de système. Qu'est-ce que tu en retiens, toi ? Bon, je suis d'accord avec eux, on a vu des choses intéressantes et des tests intéressants. Après, notamment en première mi-temps, j'avais du mal parfois à définir quel était le système suivant la phase défensive ou offensive aussi. C'était quand même assez mouvant. De Laurier Chaubé, moi, à un moment, j'avais l'impression que Maja et Badji étaient en pointe tous les deux quand on avait ballon. De Laurier Chaubé était plus en électron libre. Donc, et c'est ce qui fait que, du coup, comme on sait que Maja et Badji sont pas des gros, entre guillemets, n'auront pas la capacité de faire des gros replis défensifs, mais tu as les latéraux qui sont plus hauts, qui ferment les couloirs et avec ce système à deux pistons. Donc voilà, mais. Offensivement, on a vu des choses intéressantes. C'était un match qui était quand même assez plaisant. Il y avait beaucoup, beaucoup d'occasions. Ce n'était pas un match où les coachs étaient là pour défendre, ils étaient là pour attaquer. Donc, c'est pour ça que tu as un score aussi avec autant de buts aussi. C'est vrai que clairement, en première mi-temps, on prend quand même deux buts sur les deux seules occasions qu'ils ont aussi. Ça qui était un peu, on a l'impression qu'on a été un peu fragilisé quand même défensivement, notamment lors des contres et dès que Clermont a voulu un peu accélérer. Côté droit. Après, que deux milieux, entre guillemets, Sissoko, bon, lui qui a une bonne activité, mais Franck Sergio, qui, t'as l'impression que c'est un hippopotame parfois au milieu, vu sa réactivité et vu sa capacité à courir, tu vois ce que je veux dire. Donc, forcément, quand t'as un système comme ça, il vaut mieux avoir deux milieux qui savent quand même courir quand même une bonne surface en termes de course. Là, t'en as un qui est un peu limité à ce niveau-là, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est. On méritait, très fortement, on méritait pas de perdre, on méritait même mieux vu la seconde mi-temps. Pour moi, je pensais qu'on allait gagner à la fin. Malheureusement, on prend un but sur la fin du match. Voilà, c'est comme ça. Mais le match, on a aimé beaucoup de choses offensivement. On s'est créé beaucoup d'occasions. Il y a eu beaucoup de mouvements. On était mené 2-0, on revient quand même à 2-2. Alors, clairement, aussi, a beaucoup fait tourner. Hein. Ce n'était pas vraiment une équipe type qu'il y avait en face, mais voilà. Mais là, ça montre aussi que l'équipe, entre guillemets, n'a pas baissé les bras, n'a pas renoncé, qu'il y a quand même de la confiance et qu'il y a quand même des choses des bases quand même qui sont assez solides dans cet effectif-là quand même, quoi qu'on en dise dans le travail qui est fait, même si le système était un peu différent. Ils ont quand même eu cette capacité à revenir, il y a quand même des occasions qui ont été créées. Ils sont montés en puissance au fur et à mesure en plus du match, je trouve. Donc, ouais, c'est clairement du positif. La défaite est dommage. 3 buts, c'est un peu aussi dommage à l'arrivée. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris autant de buts, mais je pense que l'ambition n'était pas là. L'ambition était de créer des choses offensives et ça a été plutôt bien fait par les Girondins. Voilà. Parce que, messieurs, on a vu, moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est Te Pucé en piston droit, un peu à l'image de Lacou la saison dernière, qui jouait piston droit, c'est pas son poste. Et c'est vrai que Michelin était blessé, entorse du genou, après, à dit Sud-Ouest. C'était mon petit bémol. Après, quand même, ce système à 3 défenseurs, t'es souvent pris dans le dos, quoi. Et est-ce qu'on peut se le permettre avec nos défenseurs centraux ? C'est une question que je pose, je sais pas qui veut répondre. Gino. Moi, je pense que tu dois pouvoir te le permettre, surtout face à des adversaires qui sont censés être plus faibles que nous. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas essayer d'imposer quelque part notre patte et notre jeu et avoir des arguments offensifs qui soient plus forts, entre guillemets, que nos faiblesses ou lacunes, si on va par là, par rapport à des joueurs comme Barbé. Parce que c'est très clair. Le moins rapide de la défense centrale, c'est Johan Barbé qui est souvent ciblé par son début de saison et le fait qu'il n'est pas en grande forme physique en plus de ça, moi, je trouve. Mais je pense qu'il faut qu'on voit aussi l'autre aspect. On est en Ligue 2, dans un championnat qui est très particulier, où on voit que les attaques
sont pas non plus des attaques monstrueuses. Il faut dire les choses comme elles sont. On le voit depuis 9 journées. Donc nous, en tant que Girondins de Bordeaux et avec une dynamique positive, de vouloir imposer des choses et d'être quelque part acteur du match et avoir deux attaquants comme Maja et Badji, moi, ça me plaît énormément avec un créateur en soutien. Donc, que Guillon veuille faire ça dans l'absolu et tente cette chose-là, ben, moi, je m'en félicite et je trouve qu'on doit voir aussi le côté positif qu'il y a là-dedans. Samuel ou Joe ? Non, mais moi, je globalement, je suis assez d'accord avec Gino sur le côté, sur les intentions de Guillon. Maintenant, après, c'est un petit peu le profil qui me gêne, les profils qui me gênent dans ce système. C'est est-ce qu'on a un milieu capable de jouer en double pivot ? Alors, Sissoko, j'ai pas de doute sur lui, mais lequel des trois à côté est capable d'apporter autant dans un milieu à deux ? Je ne sais pas, peut-être Ignatenko, peut-être Lacou, mais avec leurs lacunes. Et puis, le problème qu'il y a pour moi, c'est que dans ce système-là, tu dois choisir entre Zurico, Bakwa et Logan de Laurier-Chaubet pour un poste, alors que ce sont peut-être tes trois joueurs les plus détonateurs. Donc, moi, je pense que ça peut être un système intéressant au cours de la saison. Mais aujourd'hui, dans la forme actuelle et dans la construction de l'effectif, je pense que je pars plus sur un prolongement de ce qui est fait depuis le début de saison. Et il n'y a pas de piston droit, surtout, encore une fois. Oui, c'est Michelin qui, normalement, doit occuper cette place. Ouais, mais bon, on va lui laisser un peu de temps, mais il me fait un peu peur. Et je préfère Bokele aujourd'hui à ce poste-là. Enfin, pas en piston, mais en latéral. Mmh. Et depuis, c'est sincèrement, j'ai un peu de mal. Hein. C'est pas son poste. Oui. De manière générale, je trouve que c'est un joueur qui n'a pas le niveau Ligue 1 du tout et qui est aujourd'hui là parce qu'on est en Ligue 2 et parce qu'il y a eu des soucis d'effectifs, je pense. Mais je trouve qu'il est intéressant sur de l'engagement, des intentions en fin de match. Oui. Titulaire à un poste de piston droit ou même doublure à ce poste-là. Non, mais oui. Pas convaincu. C'est compliqué, oui, bien sûr. Oui, c'est pas son poste, moi je suis d'accord avec toi. Après, je comprends pourquoi Guillaume est gaucher en plus de pousser. Non, je crois qu'il est droitier. Je pense pas. Mais je crois qu'il est droitier. Après, j'étais gaucher, moi. Je comprends pourquoi il le met là, Guillaume, parce que déjà, effectivement, à droite, on est un peu limité. En plus, si Michelin est blessé, ça. Voilà. Mais tu sens qu'il a quand même le coffre pour pouvoir couvrir tout son couloir. Mmh. Je pense que physiquement, il a la capacité effectivement d'évoluer à ce poste-là. Maintenant, techniquement et dans l'aspect tactique, là, c'est un peu limité effectivement. Mais c'est un choix par défaut. On le sait de toute façon pour Guillaume parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'il bricole aussi quand même, quoi qu'il arrive. Depuis, c'est à une certaine polyvalence. Donc, il essaye. Maintenant, pour l'instant, il n'a pas montré effectivement qu'il était en capacité de pouvoir, entre guillemets, tenir ce rôle. À l'heure actuelle, avec le temps, c'est un joueur de complément, c'est à voir. Voilà. Oui, mais c'est un joueur de milieu central, hein. C'est pas un joueur de côté. À la base, oui, mais bon, ouais. Tu sais qu'on a pas mal de lacunes effectivement sur les côtés avec les latéraux. Donc, Bokele n'est pas non plus un défenseur, n'est pas à la base un latéral droit. Hein. Donc voilà. Hein. Donc le seul qui peut vraiment jouer à ce poste-là, c'est Michelin à la base, qui est formé comme ça. Après, le reste, ça reste du bricolage. Hein. Mmh. Tiens, il y a Fred Cis, il dit Louis-Jean sur le chat, qui peut jouer à cette place-là. Oui, pourquoi pas. Moi aussi, mais c'est pareil. Mais bon, c'est vrai qu'en piston, c'est un peu brut. Ouais. 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 Mais par exemple, de ce qu'on voit de Louis-Jean, j'ai l'impression que dans un rôle de piston, il serait plus à l'aise à gauche. Parce qu'offensivement, il a l'air de beaucoup rentrer sur son pied droit. Donc, voilà. Ouais. C'est vrai. Et donc, c'était aussi une revue d'effectifs avec pas mal de jeunes testés dans ce match. Hyper intéressant. Gino, le fait qu'il y ait tous ces jeunes, alors je vais afficher la compo de deuxième mi-temps où il y a eu encore plus de jeunes. Alors là, on a vu Mwanga, Budzumu Mwanga, arrière central que moi, je n'avais jamais vu jouer. Et on a vu plein d'autres joueurs que vous avez mentionnés. Oui, Lamouliat, Makani, oui, mais c'est plutôt intéressant. Ça sert aussi les matchs amicaux, sachant qu'on a un groupe restreint et on voit bien que dès que les internationaux sont plus là, et qu'on a des absents, et tu es obligé d'ouvrir le groupe, et tant mieux, parce que ça a été quand même quelque chose qui nous a réussi cet été de faire confiance à ces jeunes. Donc pour moi, qu'on ait une revue d'effectifs aussi
par moment, notamment sur cette deuxième mi-temps, tout en ayant bien travaillé pour moi sur la première, ben, je trouve que c'était un bon compromis sur le match. Joe, qu'est-ce que vous retenez sur les jeunes sur la deuxième mi-temps? Moi, j'ai bien aimé Makani, par exemple. Je trouvais qu'il a une activité intéressante au milieu. Ils ont été au niveau, enfin, entre guillemets, ils ont pas, ils m'ont pas impressionné, mais ils n'ont pas été mauvais non plus. Tu vois, ils ont fait ce qu'on leur a, ce qu'on leur a demandé avec leur jeunesse et entre guillemets leur envie. Ils ont plutôt bien appréhendé les choses, ils ont bien géré fait le match. Maintenant, voilà, de là à dire que ça va intégrer le groupe ou quoi que ce soit pour l'instant, voilà, on n'en est pas là. Ils m'ont pas impressionné. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, il n'y a aucun problème. Et pour moi, ils ne se sont pas non plus démarqués outre mesure à l'heure actuelle. Maintenant, qui s'intègre au fur et à mesure, là, c'était effectivement une expérience à faire pour eux. Il y avait un match amical en plein milieu de saison avec quelques absents. Donc, c'était l'occasion pour eux et pour Lyon de effectivement tester des choses. Voilà. Maintenant, je ne pense pas qu'on va les revoir de suite en Ligue 2. Pour moi, ça paraît que ce soit Mangua, Lamouliat ou Magani, je ne les vois pas encore pour l'instant intégrer le groupe à l'heure actuelle. Voilà. C'est que mon avis. Ouais, donc bon, mais vous êtes hyper positif, je sais pas, vous voulez rajouter autre chose sur ce match? Ouais, moi il y a deux choses, je voulais en parler un peu avec les autres chroniqueurs parce que c'est quelque chose qui m'a assez marqué sur ce match et pour moi, qui deux gros enseignements entre guillemets, c'est l'un des premiers, c'est le 4-4-2 que voulait instaurer Guillaume, il n'existe plus du tout, ce 4-4-2, il n'a jamais existé quelque part en forme offensive, je veux dire, parce qu'on peut défendre de temps en temps en 4-4-2, mais avec le ballon, on n'est jamais. Il n'a jamais existé tout court, Gino. Exactement, c'est pour ça. Et on pouvait penser. Déjà, on nous avait promis une colonne vertébrale qui est partie 2 semaines après. Donc... Oui, totalement. Mais Guillaume, par rapport à ce qu'il voulait faire, tu vois, aurait pu le tester maintenant, où il a un peu plus de temps, entre guillemets, pendant une trêve. Et il ne le fait pas. Et sur ça, j'ai le deuxième enseignement qui va avec. Je trouve qu'il y a un axe qui fait qu'il a un système qui garde. Et il va peut-être vers le 3-4-3. Pour moi, c'est qu'il y a deux joueurs, deux éléments qui sont sortis, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau et qui font que ça change beaucoup de choses dans son esprit, à mon sens. C'est Mwanga, il en a parlé derrière. Et il est tellement bon que, à mon sens, il se pose des questions sur le fait de le faire jouer avec trois axios. Et il y a aussi Bakwa devant. Et les deux jeunes, ils te posent une problématique quand même sur un système et sur le fait de les faire jouer parce qu'ils sont très performants. Et c'est plutôt un point que je trouve très positif, mais ça amène des réflexions dans le sens tactique et la composition d'équipe de Guillaume que je trouve il prend en compte par rapport à ces deux profils qui sont quand même assez énormes depuis le début de l'année sur leur performance, mais qui n'étaient pas attendus au départ. Donc, il cherche le meilleur système pour intégrer un maximum de joueurs qui méritent de jouer. C'est ça que tu veux dire? Et je pense que ces deux éléments, dans ses intentions, ils rentrent en compte parce qu'il faut les faire jouer et il ne peut pas non plus passer des tauliers, entre guillemets, cadres qu'on a donné, quoi, je pense. C'est un avis personnel, mais d'après ce que je ressens et la stratégie qu'il met en place, il y a quand même une belle place qui est faite pour ces deux jeunes-là. Samuel, tu veux réagir ou Joe? Non, mais il s'adapte aussi à son effectif. Quand il parlait de 4-4-2 il y a 3 mois, Guillaume, alors est-ce que c'était naïf, est-ce que c'était mot d'ordre de la direction pour essayer de passer la pommade aux supporters, mais il se basait sur un effectif qui allait comprendre des jeunes joueurs qui avaient déjà joué en Ligue 1, qui avaient même déjà joué en Europe pour certains. Il nous parlait d'Amedodzic, il nous parlait d'Agnatenko, il nous parlait de Mara en colonne vertébrale. Tu peux te permettre de jouer dans un 4-4-2 avec des joueurs comme ça parce que tu veux avoir une équipe beaucoup plus offensive avec un peu plus d'expérience à chaque ligne. Là, effectivement, je pense qu'il a dû se réadapter. Et en se réadaptant et en s'adaptant aux forces en présence, bah, c'est le football, il y en a qui gagnent leur place. Aujourd'hui, moi, Mwanga, effectivement, pourquoi il sortirait? C'est triste, hein, mais pourquoi on mettrait Barbé? Alors, le truc qui m'emmerde, c'est que si tu ne mets pas Barbé, tu peux potentiellement planter sa venue. C'est un gros salaire, donc en fait, c'est presque un... Enfin voilà, tu peux aussi lui faire du mal au moral parce que le mec arrive pour être capitaine, il se retrouve barré par un gamin de 18 ans, ça doit être compliqué à vivre. Mais malheureusement, aujourd'hui, le terrain, il parle. Et donc, aujourd'hui, pourquoi Mwanga irait sur le banc pour Greg Arsène ou Barbé? Non. Pourquoi Bokele irait sur le banc pour Michelin? Non.
Pourquoi Bakwa irait sur le banc pour Elis Badji. Ou pour Badji? Bah non, voilà. Donc en fait, c'est le foot, c'est simple, hein, et je pense que Guillaume, il le sait. C'est simple et à la fois compliqué, parce que il y a des matchs, comme dirait un journaliste de Libération. Dans le foot, il y a des matchs, c'est le problème. Donc il y en a qui performent, il y en a qui performent pas. Une fois que ceux qui ont performé sont installés, ben soit tu décides de les déloger parce qu'il y a des statuts, parce que tu as envie de tester autre chose, mais derrière, tu dois assumer ton erreur. Soit, et c'est ce que nous fait comprendre Guillaume à chaque sortie, ben en fait, il y en a qui ont gagné leur place. Tant qu'ils ne l'ont, entre guillemets, pas perdu, ben il ne les sortira pas. Et ça me semble logique, franchement, même si Mwanga, par exemple, parce que c'est notamment on va dire la principale satisfaction de ce début de saison, enfin pas la principale, la plus forte, Mwanga aujourd'hui... Pourquoi aujourd'hui il irait s'asseoir sur le banc? En quel honneur? Il est troisième de Ligue 2, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat. Bah ouais, il a 18 ans, c'est peut-être cruel pour Greg Arsène, pour Bokele aussi, si jamais demain matin Michelin performe, pour Barbé. Mmh. Mais c'est comme ça. Et moi, je comprends qu'aujourd'hui, après une année où il y en a qui ont eu des statuts dans une équipe qui ne marchait pas, on essaye de mettre des statuts dans une équipe qui marche. Ça a plus de sens. Joe? Est-ce que c'est aussi intéressant d'avoir un autre système de jeu? Et pour une équipe aussi, il te faut au moins des solutions. C'est ce qu'il disait pendant le live, je crois que c'est Geoffroy. Alors Geoffroy a pesté pendant le live. Ça rejoint un peu ce que tu dis, Samuel, parce qu'il disait, moi ça m'énerve que Guillaume fasse des essais avec cette défense à 3 derrière. Il disait, c'est pas dans l'ADN des Girondins de jouer comme ça. Il est forcé de faire ça pour intégrer des recrues qui ont un statut pour les faire jouer. Alors que finalement, on a déjà... Mais ça, c'est son taf. Oui, voilà. C'est ce qu'il disait. Non, mais s'il trouve une bonne solution pour faire jouer Barbé dans une défense à 5 et qu'on profite de la qualité de relance de Barbé, bravo, bravo Guillaume. Oui, c'est top. Qu'est-ce que tu en penses, Joe, de ça, de cette problématique? Et c'est très délicat parce qu'il ne faut pas qu'il déstabilise la meilleure défense de Ligue 2. C'est ça. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est quand tu as quelque chose qui fonctionne, pourquoi tu le touches en fait? Moi, déjà, ça, rien que ça, en fait, si les joueurs ne comprennent pas que quand tu as des résultats, ton système fonctionne, et peut-être que toi, effectivement, ça fonctionnait sans toi, mais il faut aussi apprendre à gagner sa place, tout simplement. Le foot, c'est de la concurrence. Dans un groupe, tu as de la concurrence, c'est comme ça. Et si tu n'arrives pas, entre guillemets, à supporter la concurrence, que ce soit le coach ou le joueur, tu n'iras pas bien loin non plus. Donc, que Guillaume veuille tester des choses. Ça, c'est logique. Sur un match amical, c'est totalement logique. Pour moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je pense qu'il ne faut pas trop en déduire des choses à l'heure actuelle parce qu'on a vu que le match n'était pas non plus, défensivement en tout cas, le meilleur qu'on a vu de l'équipe des Girondins. Maintenant, effectivement, quand tu es coach, il faut que tu prennes les bonnes décisions. Ce n'est pas toujours évident. Mais il y a une évidence, c'est quand un joueur est meilleur que l'autre, ben, tu choisis le meilleur joueur. Tu ne fais pas jouer l'autre par défaut, sauf si tu as effectivement une obligation de le faire jouer parce que tu as une pression extérieure. Voilà, moi c'est juste ça qui me dérange, et on a vu qu'au Girondin ces derniers temps, c'était un peu l'idée. Maintenant que le mercato est fini, j'espère que Guillaume a toujours la main vraiment sur ce qu'il veut faire et ce qu'il doit faire. C'est ça qui m'inquiète réellement. La seule chose qui ferait que ce système, que ce dispositif changerait par rapport au début de saison, c'est notre point faible, c'est au milieu. Effectivement, au milieu, il faut changer quelque chose. Là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc peut-être que si tu dois impacter ton milieu, et bien peut-être que du coup, tu vas changer effectivement tout ton dispositif. C'est possible. C'est pour ça qu'il a joué avec Depucé, effectivement, avec ce milieu à 3. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a joué avec deux joueurs au milieu, avec Sissoko et Franchejo en première mi-temps, parce qu'il voulait tester autre chose. Voilà. Au milieu notamment. Et après, de la réchauffer un peu plus haut. Voilà. C'est logique pour moi. Par contre, la défense à 5, pour l'instant, pour moi, actuellement, c'est à l'antithèse de ce qu'on a vu, de ce qui a marché pour moi en début de saison. Et ça me dérange. Oui, mais bon, il a le droit de faire des essais. Et est-ce que Gersen sera meilleur sur une défense à 3, 4, qu'à 4? J'y crois pas aussi. Faut prendre ça en compte. Barbé a plus souvent évolué, je crois, dans une défense qu'à 4, qu'à 5. Mwanga, je crois que c'est un peu la même chose. Donc, tu prends des joueurs qui ne sont pas forcément habitués à ce système-là. Et Barbé jouait beaucoup en défense centrale à 3, en axe gauche. En axe gauche, bon, d'accord, ok. En Angleterre, voilà, peut-être, ça, c'est possible. Après, je n'ai pas trop su en Angleterre. Mais... Et après, il y a aussi la problématique, c'est que tu n'as pas vraiment de piston à part Nsimba à gauche. Michelin. Mais oui, mais Michelin, pour l'instant, on a vu ce que ça donnait. Pour l'instant, il n'est pas vraiment apte à être titulaire pour moi. Donc, le seul vrai piston que tu peux avoir à l'heure actuelle, je parle au moment présent, c'est Nsimba. Donc, du coup, à droite aussi, tu te retrouves avec une problématique. Tu te rajoutes une problématique à droite. Donc, voilà. Gino,
Le deuxième but qu'on met sur ce match, il vient d'où encore? Du côté gauche. Nsimba qui fait une très belle passe pour Bakwa, qui marque. Donc là aussi, il faut trouver nos points forts. Ils peuvent se situer aussi comme ça. Moi, le match de Clermont, enfin de pas de Clermont, mais avant Clermont contre Dijon, ce que j'ai adoré dans le match, c'est ses côtés qui fonctionnaient très bien. Et Ouais, la paire idiot. Nsimba-Bakwa, elle est, pour moi, capable de faire de très belles choses en Ligue 2 s'ils sont sur ces états de forme-là. Parce que Tout à fait. techniquement, on sent qu'il y a des affinités. Ça se trouve. Donc, c'est là où moi j'attends Guillaume, c'est trouver le bon système et la bonne formule pour qu'on n'oublie pas dans ce 11 de départ, qu'on joue en 4-3-3 ou qu'on joue en 3-4-3, et qu'on soit optimisé pour être les meilleurs, que ce soit sur le plan défensif, mais aussi offensivement. Parce que je pense qu'on a des atouts à faire valoir et des relations entre joueurs qui se créent et qui ont l'air très intéressantes. Donc ça va être à lui de trouver le bon juste milieu. Conan, sur le chat, il y a des questions, des remarques. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions aussi. Oui, il y a pas mal d'interrogations. Bon, déjà, il y a eu beaucoup de félicitations sur les joueurs, hein, certains qu'on a cités, Sissoko, tout ça, Bokele, enfin, Manga. Pour eux, la charnière centrale, c'est Manga, Gregersen. Voilà, il y a des certitudes, et je suis un peu d'accord d'ailleurs avec Jonathan, et il y en a plusieurs dessus qui ont critiqué cette manière-là. Pourquoi changer alors qu'on a un système qui fonctionne bien depuis le début de saison, casser une dynamique que l'on a? Après, il y a Et les quelques repères, questions. ouais. Voilà. C'est compliqué. Barbé a une importance énorme dans le groupe, je pense. Ouais, bien Qu'on sûr. le veuille Voilà. ou non. Donc, comment tu fais? Est-ce que tu le mets à tricard par rapport au résultat de l'équipe, avec aussi peut-être un pressentiment que lui, derrière, mais comment il va le vivre et il va le retransmettre au groupe? Donc, ce n'est pas si facile que ça. Moi, j'ai du mal à critiquer Guillaume sur le fait qu'il lance Barbé et qu'il lui laisse des matchs pour revenir à son niveau par rapport au statut qu'il doit avoir. C'est quand Ah, même mais ça, assez c'est un choix. complexe. Mais ça, c'est un choix qu'il Ouais, fait, mais et ouais, il faut qu'il c'est fasse des choix. compliqué Bien comme sûr, situation. Tu vois, mais ce c'est un n'est pas choix. si simple que ça à gérer, je Bien sûr, trouve. non, ça, on est d'accord. Après, voilà, qu'il fasse des choix, on peut pas le critiquer. Par contre, qu'il persiste dans les choses qui ne marchent pas, c'est autre chose. Voilà, Et le c'est juste ça. sportif va être quelque part la priorité normalement. Donc si on voit que Barbé, au bout de certains temps, il n'est pas apte à jouer en défense, là je te rejoins Conan, eh bien on sera obligé de se rendre compte que si Mwanga est meilleur, il faut faire jouer Mwanga, je suis d'accord avec vous. Maintenant, ça fait très peu de matchs qu'il est là aussi, Barbé. Hein. Je Oui, il trouve faut qu'on qu'il est prenne du très très rythme. dur. Hein. Bien Je trouve sûr qu'il qu'on est prenne du très dur. rythme. Il a fait deux matchs officiels, hein, Barbé. Hein. Oui. Deux Il y a matchs. beaucoup d'attentes. C'est parce qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est vrai qu'il Moi est aussi, présenté un c'est peu vrai. comme un patron, hein. Après ce que... Donc l'attente est énorme derrière lui, mais je pense que Ouais. tout le monde est conscient qu'il a C'est le besoin de prendre du capitaine. rythme. Et C'est il le est capitaine. capitaine. Voilà. Il est capitaine. Après, ce qu'il y a de bien, justement, c'est que par rapport aux années précédentes, on a quand même une concurrence. Bon, on a toujours une faiblesse sur le milieu, mais et puis sur le côté droit. Mais je veux dire, on a quand même une concurrence sur plusieurs postes. Et à la différence des autres années, on a une concurrence avec du niveau. Bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que C'est ce clair. soit un remplaçant ou que ce soit le titulaire qui est sur le terrain, les deux peuvent se valoir. Ça va être à celui qui se bat qui en voudra le plus. Donc c'est ça qui est Bon bien, c'est niveau. qu'on peut quand même compter sur notre banc un peu plus que l'année dernière. Non, mais c'est comme sur le chat, Exactement. j'ai vu qu'au départ, ils disaient que, enfin, en début de saison, les jeunes étaient là pour dépanner. Oui, effectivement, sauf qu'ils ont Oui, montré qu'ils étaient au niveau, c'est ça. maintenant. Donc, ils sont plus là pour dépanner, ils ont gratté quelque chose. Mais Donc, il y a quand voilà. même besoin de 109 et d'expérience pour Oui, aider, pour faire non, cette puis saison. On l'a vu, de toute façon, il fallait oui, mais pas recruter. pour l'instant, Nico. Oui. Enfin, pas sans, pas, Oui. enfin, il y en aura besoin, bien sûr, mais pour Oui. l'instant, l'expérience, elle a plus coûté des points qu'autre chose à Bordeaux. C'est assez fou de le dire, mais sans leur jeter la pierre, mais le match de Saint-Étienne, on n'a que des joueurs d'expérience, enfin, que des joueurs d'expérience. Entre guillemets, avec les blessures, avec les circonstances, Oui, voilà. on a moins de jeunes sur le terrain, on a plus de joueurs d'expérience. On perd des points face à Dijon. Celui qui te met un peu dedans sur le but, c'est un joueur, entre guillemets, Ouais. d'expérience en Ligue 2. Donc, je ne laisse pas pour leur tirer dessus, mais effectivement, là où Joe a raison, ces mecs-là, à la base, étaient là pour dépanner. Sauf qu'aujourd'hui, eux, ils ont fait plus que dépanner. Ils sont dans le top 3 du championnat. Donc, c'est la fameuse frappe de Mbappé. T'es pas content, triplé. Ben là, c'est pareil. T'es pas content, ben vas-y. Oh, viens, viens, vas-y. Fais les résultats qu'on a fait, maintiens le club à ce niveau-là,
amène le proche de la Ligue 1 et tu pourras venir me voir dans les yeux et me dire que tu vas prendre ma place. C'est le sport de haut niveau. C'est ça. Ouais, mais Gino. Ça, dans un vestiaire, je trouve que. Moi, j'ai un autre avis sur ça. J'entends sur le match de Saint-Etienne, ça m'a raison, puisque c'était le cas. Sur le match de Gijon, je suis plus réservé parce que tu as Nsimba qui est énorme aussi de l'autre côté. Ah, je l'enlève du lot, Nsimba, pour le coup. Et ouais, mais il amène beaucoup d'expérience. Il a gagné sa place, Gino. Et ouais, mais, tu vois, ouais, mais il fait partie quand même des. Tu vois, et Barbé, oui, et Barbé pour l'instant n'est pas au niveau attendu, je suis d'accord. Mais j'ai du mal à me dire que la gestion de vestiaire, elle n'est pas hyper importante dans cette saison. C'est pour ça que je la relie aux sportifs. Et quelque part, je me dis, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être les jeunes qui ont déjà, comment dire, les clés du camion et qui disent aux anciens, venez nous chercher. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense que les anciens ont aidé aussi dès le départ, comme il y avait déjà Barbé et Nsimba, dans la logique de groupe, dans l'encouragement, dans le fait, dans les séances d'entraînement, d'être, tu vois, exigeant avec les jeunes et tout. Ça, c'est ce qui se dit, en plus, de Guillaume, des adjoints et autres. Et je pense qu'on ne peut pas, quelque part, les opposer. C'est plus le fait que les anciens doivent prendre leur place qu'ils doivent avoir au départ. Mais s'ils ne sont pas performants, et là, je vous rejoins un petit peu, on ne peut pas les laisser non plus. Et c'est là où Guillaume a vraiment un rôle essentiel, c'est que dans les prochaines semaines et prochains mois, ben de jauger quel est le niveau sportif, parce qu'on a des jeunes de grande qualité qui sont peut-être déjà au niveau. Ça, c'est tout bénef pour le groupe, pour l'évolution du groupe. Ah oui, c'est clair. Si tu sais bien gérer le groupe, c'est un bénéfice, parce que tu sais de toute façon qu'il y aura des blessés et des suspendus, on l'a vu, de toute façon, ça tourne beaucoup aussi, parce qu'il y a souvent des blessés et des suspendus ces derniers matchs, de toute façon, donc les choix sont faits un petit peu parce que tel est blessé ou tel est suspendu, donc, et notamment en défense. Donc ça peut être que bénéfique pour nous. Après, entre guillemets, les statuts, c'est une chose, mais après ton statut, et entre guillemets, il faut que tu prouves que ton statut, tu le mérites. Attention, donc on a compris, de toute façon, pour Guillaume, pour moi, il y a trois leaders, entre guillemets, on en parlera après. Tu as trois personnes qui sont au-dessus du groupe, entre guillemets, qui sont censées mener le groupe, c'est Barbé, Lacou et Franck Sergio. Pour moi, c'est la colonne vertébrale, pour moi, effectivement, de Guillaume, de ce que je comprends. Mais maintenant, alors je ne dis pas que c'est les meilleurs, mais c'est ce que Guillaume, au départ, entre guillemets, et c'est ce que tu entends des joueurs. Ouais, Franck Sergio nous parle beaucoup, Barbé c'est le capitaine, Lacou c'était entre guillemets effectivement le capitaine de remplacement, donc tu sens que ces trois joueurs-là se détachent un peu et ont un statut au départ d'un effectif. Maintenant, on remet en cause Barbé parce que Barbé effectivement il y a la concurrence, Lacou compliqué parce qu'il n'y a pas trop de concurrence, et Franck Sergio c'est limite le seul qui peut jouer à ce poste-là à l'heure actuelle aussi. Donc par rapport à certains statuts aussi, selon le poste, tu n'as pas la même difficulté aussi. Voilà. Vous avez vu l'équipe qui a terminé le match, c'était assez incroyable en termes d'effectifs. Bon. Badji en pointe, Rokrou, Bakwa, Makani depuis Sissoko, De Lima latéral gauche, Biumla, Mwanga et Lamouliate et Zvidersky. Grosse revue d'effectifs aussi, de faire monter les jeunes, de voir un peu ce qu'ils peuvent produire. Je trouvais ça intéressant. Oui, après, comme je dis, ça reste un match amical et voilà, c'est. Entre guillemets, les jeunes n'ont pas été inintéressants, mais ils n'ont pas non plus explosé les. Enfin, moi, ils ne m'ont pas sauté au jeu non plus, quoi. Dans leur match, tout le monde a fait ce qu'il avait à faire et voilà, mais c'était l'occasion pour Guillaume, de toute façon. Et je pense que, de toute façon, pendant la trêve, il y aura beaucoup de matchs amicaux aussi. Je pense que ce sera comme une seconde préparation où tu auras 3, 4, 5 matchs pendant la trêve, pendant cette Coupe du Monde-là, peut-être un match par semaine pour conserver le rythme et pour tester des choses. Donc, on sera amené à les revoir. Mais à l'heure actuelle, ces jeunes-là, pour l'instant, moi, entre guillemets, je ne peux pas les prendre en compte dans le groupe professionnel à l'heure actuelle. Ouais. Ça permet de les impliquer. Oui, pardon. C'est oui, ça, Nico. Sûr, voilà. Totalement, pour les jeunes, c'est quand même une année qui est totalement particulière. Ils peuvent emmagasiner un max d'expérience avec les professionnels, que ce soit en entraînement, en Ligue 2, sur les matchs amicaux. Et c'est super. Moi, je trouve ça génial. Capitaine, est-ce que sur le chat, il y a d'autres messages à relayer? J'ai vu passer des messages sur Strosek, qui était titulaire. Ouais, ils ont trouvé que son match était plutôt correct, justement, et qu'il était pas mal. Après, voilà, comme on a dit, c'est un match d'essai, mais bon, dans tous les cas, on l'a recruté en voyant quelque chose en lui pour l'avenir. Donc, on peut qu'espérer justement qu'on voie des belles choses au fur et à mesure.
Je salue Steph, je salue Aruna, je salue Michel sur le chat, Wally qui est là, Tony et Fred aussi. N'hésitez pas à liker, à partager. 96 likes, vous êtes presque 300 connectés rien que sur YouTube. Allez-y, et Didi qui est là, petit objectif, 150 likes sur la vidéo, ça serait pas mal. Messieurs, Sam, il galère hein, sur la connexion. Est-ce que vous l'ajoutez quelque chose sur ce match? Moi, j'avais rien noté de plus. Badji, moi, je l'ai trouvé assez décevant, dos au but, en difficulté. Voilà. Ça a été remarqué sur le chat. Après, il t'amène quand même de la puissance, Nico, chose qu'on a très peu devant depuis des années. Et de la profondeur un peu. Profondeur. Mmh. Il s'est créé des occasions. Mmh. Un peu rustre dans son style de jeu, mais après, il faut qu'on l'apprenne aussi. On ne le connaît pas assez, ce joueur. Et moi, plutôt emballé pour voir la suite. Et j'espère qu'il va avoir des minutes de jeu et voir ce qu'il peut donner. Parce que c'est un profil qu'on n'avait plus. Et ça m'intéresse de voir demain ce que ça peut donner. Après, l'association avec Maja, effectivement, n'était pas inintéressante, surtout de voir Maja avec un second attaquant comme il le faisait avant d'arriver à Bordeaux, où là, il a été le meilleur, mais c'était intéressant aussi à voir. Maintenant, Badji, comme je l'ai dit, pour avoir un peu étudié le joueur avant qu'il arrive à Bordeaux, enfin au moment où il est arrivé plutôt à Bordeaux même, les préparations pour lui sont souvent tronquées. L'été, c'est pas le plus gros travailleur durant l'été, ses transferts sont souvent un petit peu complexes au dernier moment. Il commence à performer à l'hiver. Donc, pour l'instant, ça peut être un titulaire façon avant la Coupe du Monde pour moi. On va attendre de voir ce que ça donnera après cette fameuse Coupe du Monde. Et voir si à ce moment-là, effectivement, il explose comme il a fait à Amiens et comme il a fait la fois précédente, je crois que c'était en Turquie, je ne sais plus où. Il a commencé à marquer à partir de décembre, janvier. Voilà. Samuel, sur Badji, on parlait de Badji. On ne t'entend pas, Samuel. Ah, voilà. J'ai eu quelques instants de... de perturbation. Ouais. Sur Badji, ouais, j'ai pas été très très fan de son match. Maintenant, c'est un attaquant, donc on va lui laisser toujours une petite acclimatation. Mmh. Je pense que surtout avec son intersaison, Badji, c'est peut-être plutôt pour la deuxième partie, pour l'après Coupe du Monde, donc on aura une version un peu plus en confiance, avec un peu plus de tout finalement, un peu plus de diversité, un peu plus de confiance, un peu plus de but, un peu plus de présence aussi, parce que j'ai trouvé que sans dire qu'il s'est caché, parce que c'était pas le cas, je trouvais qu'il manquait un petit peu d'altruisme sur certaines actions, il n'était pas aux endroits où il fallait. Ça, en revanche, j'ai trouvé que c'était complémentaire avec Maja, ce qui pour moi était pas gagné sur la feuille. Donc voilà, à tester, mais il va y avoir de l'indulgence avec Badji parce que quand on parlait de devoir prendre un attaquant cet été, pour moi il fallait un attaquant en confiance, mais cet attaquant en confiance, c'est un peu comme avec les jeunes, on l'a fabriqué avec Maja, même s'il marque beaucoup sur Pélo, mais on l'a fabriqué avec Maja finalement. Donc aujourd'hui, c'est pas très grave si Badji met du temps à se mettre au niveau de son transfert. Après, Badji n'arrive pas en confiance du tout. Hein. Je veux faire être franc. La fin de saison dernière a été catastrophique pour lui. Il a surperformé durant l'hiver. Après, dès qu'il a commencé à performer, c'est là que concrètement les ennuis ont commencé aussi un peu pour lui. Il a été exclu du groupe pendant 3 semaines à Amiens. Il était en conflit cet été avec sa direction. La préparation, il ne la faisait pas. Il venait même pour l'entraînement à un moment donné. Moi, c'est la seule chose qui m'inquiète vraiment. C'est entre guillemets l'engagement que va mettre le joueur effectivement dans ce groupe-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un un petit peu à part des groupes, concrètement, qui ne s'intègre pas vraiment dans les groupes. Ça, après, il est pas comme ça. Hein. Après, ce n'est pas un joueur qui va être non plus à fond dans le collectif, etc. Et tout. Et tu sens que ça peut vite dégoupiller pour rien de ce qu'on va parler passé. Donc, moi, ça qui m'inquiète, c'est est-ce que le joueur va vraiment être investi sur la durée dans un collectif ou pas? C'est là où j'ai mis moi le plus gros doute. S'il a vraiment envie franchement de marquer et de tout casser, il pourra le faire. Il en a la capacité. Il a vraiment un sens du but qui est supérieur à la moyenne pour un attaquant. Mais maintenant, est-ce qu'il va avoir envie de le faire pour lui ou pour le collectif? Là, c'est pas la même chose. Voilà. Les débuts, Joe, sont pas en dilettante pour l'instant. Mais de toute façon, on peut pas le jauger de suite. Son attitude, quand il rentre sur le terrain, il peut louper plein de choses, ce mec. Mais tu sens que Il fait son taf. Sur Dijon, il t'amène le but. Et même sur le reste, il est pour moi. Mm. Pour l'instant, je suis plutôt dans l'optique d'attendre de ce qu'il peut donner. Mais ce n'est pas scandaleux.
les entrées et l'attitude. Pour l'instant, moi, elle me paraît plutôt bien. Bien sûr. Non, après, je ne peux pas te dire ce qui va se passer. Je te dis juste ce qui a été fait par le passé avec ce joueur-là. On voit très bien qu'il y a eu des complications parce que tu sens que le joueur a un certain caractère. Il n'est pas forcément toujours facile à gérer. Maintenant, ce n'est pas interdit d'évoluer aussi. Hein. Après, c'est pareil. Il y a Frédéric Cise qui l'a précisé sur le chat. Vous pensez qu'il y a un mercato pendant la période d'hiver. Magnifique. Et messieurs, vas-y, termine et on accueille notre invité. Je le vois, il est en backstage. Vas-y, termine ta phrase. Le mercato d'hiver, on peut avoir des joueurs qui partent. Et à ce moment-là, ça peut faire de la place aussi pour certains qui sont sur le banc. Et il va peut-être falloir qu'on pallie justement à certains trous aussi. Surtout allez, messieurs, on l'accueille. C'est une surprise. C'est monsieur Lassina Diabaté qui est là. Il est en plein rendez-vous. Salut Lassina, bienvenue. Bonsoir à tous. Salut Lassina. Bonsoir. Désolé pour cette bonsoir. Mais on est très content. Merci de prendre quelques minutes avec nous. Champion de France 99, on ne présente plus Lassina Diabaté. Je l'ai invité pour parler du thème suivant, qui est le thème des leaders dans un effectif, Lassina, pour avoir ton regard de joueur professionnel par rapport à ce que c'est un leader dans un effectif, dans un vestiaire. Parce que ce soir, c'est la question qu'on se posait. Mais avant ça, comment ça va et comment tu trouves le début de saison de Bordeaux ? Bien, ça va. Le début, je pense que si on nous avait dit de parier sur un début de saison avec tout ce qu'on a connu, personne n'aurait parié dessus. C'est une belle surprise et espérons que cette surprise qu'elle continue et qu'on essaie vraiment d'encadrer ces jeunes-là pour que les résultats soient de mieux en mieux. Bon, Lassina, on se posait une question. Nous, on n'a jamais été dans un vestiaire professionnel. Je ne crois pas aucun d'entre nous. C'est quoi un leader dans un vestiaire ? Comment ça se caractérise, un leader ? Un leader, je pense que c'est quelque chose qui ne se décrète pas. On le dit souvent, hein, les chefs, ils ont quelque chose en eux. Un leader, c'est quelqu'un déjà qui a de l'aura, c'est quelqu'un dans un vestiaire, quand on parle footballistiquement, c'est quelqu'un aussi qui doit remplir des cases. Un leader ne peut pas être sur le banc, c'est quelqu'un qui doit être capable à un moment de porter l'équipe. Quand je dis porter l'équipe, c'est il fait partie des 11 joueurs de départ. Ça me paraît très important. Au-delà d'être la personne qui soit le plus souvent sur le terrain, c'est quelqu'un aussi qui doit avoir cette capacité de fédérer. Ça, c'est très important. Il faut fédérer. Tu dois avoir cette intelligence d'écoute aussi, c'est important. Un leader, il faut qu'il soit à l'écoute, il faut qu'il soit observateur. Il faudrait qu'il soit en phase aussi avec toute l'organisation technique, l'entraîneur, le préparateur physique. Et aussi, au-delà de ces aspects-là, il faudrait qu'il ait des sergents aussi. C'est très important parce qu'on se souple tous quelque chose qu'on fait. Et il faudrait qu'il ait des personnes dans le vestiaire sur lesquelles il peut compter, qui peut porter aussi lui sa parole. Et quand on a tous ces aspects-là, on est paré pour être un très bon leader dans le vestiaire. Et juste Lassina, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir plusieurs leaders ou il doit y avoir seulement un vrai leader dans un groupe ? Il y a toujours un qui est reconnu de tous. Ça, c'est vraiment… Il ne peut pas, parce que sinon, ça force la donne. Et sinon, à un certain moment, vous savez, la vie d'un groupe, si on sait qu'il y a celui-là qui peut prendre le dessus sur le… Non, un leader, c'est celui qui est reconnu de tous. Mais par contre, il y a des sergents qui sont là, qui l'aident aussi à accomplir sa tâche. C'est très important. Parce que s'il n'a pas deux, trois personnes autour de lui qui l'aident à accomplir sa tâche, à un certain moment, on reste des humains. Il arrive des moments où on a des absences et ces leaders-là, ces personnes qui sont autour de lui, l'aident à pallier à ces absences quand ça arrive. Justement, Lassina, on parlait de ce thème avec l'équipe qu'on a en Ligue 2. Un exemple que tu as peut-être connu dans ta carrière, quand ce leader d'équipe qui est supposé être quand même ou le capitaine ou quelqu'un qui prend énormément de prestance au sein de l'effectif, il est en difficulté sportive. Chose qui peut arriver. Mm-hmm. Est-ce que ce n'est pas problématique ? Est-ce que ça ne pose pas des choses derrière ? Et ça a pu t'arriver de voir un leader
d'équipes mais qui sont en difficulté. Ça arrive. Et je prends l'exemple. Quand je dis qu'il a besoin des sergents, à un certain moment, il peut être en difficulté sportive. Mais par contre, cette difficulté sportive, il ne faut pas qu'elle perdure. Parce que quand elle perdure, ça va l'affaiblir. Mais par contre, ce qui peut être important, si elle ne perdure pas, c'est de permettre à ses sergents, à un certain moment, de l'épauler. Parce qu'on sait, moi je prends l'exemple, hein, à un certain moment, quand je jouais avec Michel Pavon, qui était le leader du vestiaire, il y a des moments où il était en dedans. Mais par contre, comme ça n'a pas duré beaucoup plus longtemps, ça a permis aux autres de prendre le relais. Bien sûr. Voilà. Mais par contre, les sergents qui sont là forcément, quand ils voient que le leader sportivement est en difficulté et que ça peut durer, je dirais, sur l'espace de 2 matchs, de 3 matchs, il s'affaiblit et à lui d'être intelligent en ce moment-là, dans son rôle de leader, de passer le témoin de manière subtile à quelqu'un d'autre qui peut jouer ce rôle de leader déguisé tout en tirant vraiment lui les ficelles. C'est du management, quoi. C'est du. Absolument. C'est ça. Hein, donc... C'est vraiment. C'est une complicité. C'est même une organisation. Et on avait reçu, moi j'avais reçu un journaliste, c'était Timothée Crépin qui travaillait à France Football et qui connaissait David Guillon et qui disait que Guillon normalement s'appuyait sur plusieurs leaders dans un groupe à Bordeaux depuis qu'il est arrivé. On ne sait pas s'il l'a fait, aujourd'hui on sent qu'il a la main, mais est-ce que le coach, moi c'est une question, Lassina, quand c'était Illy Bop l'entraîneur des Girondins, quand tu étais aux Girondins, est-ce qu'il a dit « ça va être toi mon leader » ou c'est venu naturellement parce qu'il y avait des personnalités plus fortes. Voilà. Non, je pense pas que le coach, il a des discussions individuelles avec les joueurs. Mais il peut l'avoir dit à un moment ou un autre, j'aimerais que tu portes ma parole, mais voilà, que tu sois mon représentant le plus humble auprès de tes copains. Mais par contre, devant les joueurs, c'est pas le coach qui doit désigner un leader. Le leader se désigne, lui, par son charisme et par aussi ses copains, les autres qui sont autour de lui, parce qu'en eux, ils voient la personne qui leur porte, qui arrive à porter des choses quand le moment se fait sentir. C'est complexe quand même, parce que tu te dis qu'il n'y a pas souvent un vestiaire où il y a toutes ces conditions réunies. J'ai l'impression que... Je ne sais pas si ça arrive souvent que tu es un leader, des sergents, comme tu le décris. J'ai l'impression que ce n'est pas une situation facile à mettre en place. Et faisons la part des choses. Quand les choses marchent, c'est plus facile. Quand il y a des difficultés, ça devient beaucoup plus compliqué. Moi, je prends les saisons que j'ai passées à Bordeaux. Ça, c'est vraiment sur 4 saisons à Bordeaux. Michel Pavon a été toujours le leader charismatique du vestiaire. Autour de lui, il y avait d'autres personnes comme François Grenet, comme Lilian Lasland, comme de manière technique, comme et Johan Mikou. Et moi-même qui en faisais partie. On faisait de sorte à encadrer Michel, tout en lui donnant cette responsabilité de dire, effectivement, il y a des moments où on ne peut pas tous aller voir le président ou Eli, et que c'est lui qui était désigné à porter la parole des joueurs. Et ça, à l'unanimité, quand vous êtes tous d'accord pour qu'il y ait ce fonctionnement-là, ça marche beaucoup mieux que quand il y a des dissensions où certains veulent se porter leader, alors qu'ils n'ont pas ils n'ont ni le charisme, ni l'adhésion du vestiaire. Eh oui, tu peux pas, si tu n'as pas ton vestiaire avec toi, c'est impossible, quoi. Ouais, Gino, tu avais une réaction? Non, mais on en a parlé avec un entraîneur de haut niveau ce week-end. Les leaders, on ne les invente pas dans un vestiaire. Voilà, il l'a dit, Lassina. Donc, un entraîneur, quelque part, il peut les choisir, mais s'ils ne le sont pas auprès du groupe et ils ne l'incarnent pas, je pense qu'on ne peut pas vraiment, en fait, ça se fait de soi-même. Et j'espère qu'à Bordeaux, on en a quelques-uns. Le thème est sur l'effectif. Je ne sais pas si Lassina voit justement dans cette équipe de Ligue 2 avoir peut-être des prémices, en tout cas de joueurs qui commencent à s'affirmer, pardon, et qui ont déjà peut-être cette prestance qu'ils avaient dans d'autres clubs. Moi, j'ai déjà un ou deux noms en tête qui me paraissent plutôt bons dans cette fonction de joueurs un peu importants pour le groupe.
Les noms des deux, je dirais effectivement par l'attitude, par le comportement et par le feeling avec l'entraîneur et par leur même à l'échauffement ou même à l'entrée. Il y a des détails, il y a des codes. Bien sûr. Et vraiment, le leader, on le voit par son attitude sur le terrain, par sa manière quand les joueurs sortent du vestiaire, après le match. C'est tous ces détails-là qui font qu'on lui donne ce rôle de leader. À Bordeaux aujourd'hui, et les noms que tu souhaiterais citer, ça serait qui? Alors vas-y. Moi j'étais parti plutôt sur Johan Barbet pour tout ce qui pour moi qui représente et dans le groupe et dans tout ça, et je trouve que dans la gestion et dans l'humain il a beaucoup d'empreintes pour avoir vu aussi des entraînements qu'on a vu. Je trouve que c'est un leader quand même, quoi qu'on en dise, sur et en dehors du terrain. Alors après, avec le niveau qu'il a, et c'est quand même un leader. Et je trouve que un joueur comme Joe l'a cité tout à l'heure, un joueur comme Tom Lacou à son poste de milieu défensif et dans ce qu'il imprègne, il a eu le brassard, mais ce n'est pas pour rien pour moi. Il l'a vraiment représenté au-delà du brassard. C'est-à-dire qu'il l'amène par rapport à ce qu'il fait avant les matchs, avec le public, le lien qu'il y a avec l'équipe. Il y a certaines choses qui me font dire que voilà, ces deux joueurs, ils ont quand même une pas une symbolique, mais un rôle qui est quand même assez important, même au vu de l'entraîneur qui a des yeux différents pour eux, je pense. Mais non, mais c'est le constat. Tout ce que tu viens d'énumérer, c'est ce qui fait vraiment le charisme d'un leader. C'est quelqu'un qui crée une adhésion, et ça, c'est important. Créer une adhésion, avoir de l'aura, être capable de fédérer, et surtout, qui est toujours en train de faire de sorte à ce que le rouage, que tout aille bien. C'est quelqu'un qui est très attentif, qui n'est pas centré sur lui, mais qui est humain. C'est très important. Leader, il est humain. Il n'est jamais centré sur lui. Il est vraiment toujours à l'écoute des autres. Il veut même la performance des autres, mais il contribue aussi à la performance des autres. Parce qu'il les met tellement dans des situations de bien-être que les autres, à un certain moment, lui rendent juste en le désignant, en l'écoutant, pour que les choses se passent bien. Mais, c'est très intéressant parce que ce qu'il dit, la Lassina, ça correspond assez bien à l'état d'esprit qu'on voit des deux bonhommes. Alors après, on attend beaucoup d'eux sur le plan sportif, même de Tom Lacou, qu'on a parfois critiqué sur le rôle sportif et dans ce qu'on attend par rapport à ses performances. Mais je trouve que ça les définit assez bien et de ce qu'ils représentent par rapport au club. Et plus que ça, par rapport au projet et du fait qu'il soit du centre de formation des Girondins, je pense que ça rajoute aussi au fait qu'on les considère aussi d'une certaine manière. Oui, et puis ils doivent avoir l'adhésion du groupe. Je pense que Tom Lacou, ouais, avec tous ces jeunes qui étaient là, il a 20 ans. Hein. J'ai regardé son âge, il a 20 ans. Mais tu sens qu'il y a la prestance, et bon, quand il est sur le terrain, et ce que tu disais, il faut d'abord jouer et être titulaire pour être leader. Bien sûr. Oui, il peut pas être leader et être remplaçant. Et ça me fait penser. Il a dit ouais, bien sûr. Et ça me fait penser, Lassina, ce que tu disais quand tu disais ça, c'est que quand ça allait mal là, ces dernières saisons, on faisait venir des brillants dans le vestiaire ou un Paul Bays dans le vestiaire, mais ils sont pas sur le terrain, tu vois, non. Donc ils peuvent pas avoir cette empreinte. Voilà. C'est pas possible. Et oui. Et ouais, voilà. Samuel, tu es avec nous, je sais pas si tu nous entends bien. Tu veux poser, alors tu n'as pas suivi peut-être tous les débats parce que tu étais déconnecté. Ah, c'est une grosse perturbation sur la ligne. Bon, ça arrive. On a perdu Joe aussi, je sais pas pourquoi. Ah, c'est l'hécatombe ce soir. Ouais. Équipe de France. Est-ce que tu avais peut-être une remarque à faire à Lassina? On le garde encore 2 minutes, pas plus, parce qu'il s'est rendu disponible pour nous apporter son éclaircissement, sa vision. Tu as peut-être un mot Non, mais je vais être tout à fait franc avec toi, Nico. Je vais laisser la parole à Colin parce que j'ai peur de poser une question que Gino vient de… Il a déjà été posé. Voilà, sur les leaders, parce que c'était plus sur ça que j'allais interpeller Lassina. Mais je pense que durant mes 5 minutes de combat avec Internet, vous avez répondu à tout. Ouais, Conan, sur le chat, je vois qu'il y a du monde. Ben, c'est justement pas une remarque du chat et j'avais aussi un peu la même référence en tête. Monsieur Zavetel l'a dit, en fait, il faut que le joueur soit aussi reconnu des autres. Est-ce que des jeunes joueurs que l'on a là maintenant qui performent cette saison, qui jouaient pas avant, je prends les exemples de Bokele, Manga ou autre, Bakwa, s'ils arrivent à performer cette saison,
et qu'en cours de saison, est-ce qu'ils pourraient être choisis leader? Parce qu'en plus, c'est des bons copains entre eux, vu qu'on a quand même beaucoup de jeunes dans le tas, ils pourraient se choisir entre eux. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un jeune comme ça puisse sortir et devenir un leader en cours de saison, alors qu'avant, il n'avait pas vraiment l'expérience de jeu? Je crois pas. Je pense que c'est des situations exceptionnelles. Et quand vraiment ils sont jeunes entre eux, on a dit tout à l'heure, ça ne se décrète pas. Le leader, c'est quelqu'un, quand il était en 15, on sentait qu'effectivement, et il avait ça. Quand il était en 16, il avait, en 17, il avait. Il se toffe au fur et à mesure. Et quand il va arriver, comme ils sont arrivés à 20 ans, avec les prestations qu'ils sont en train de faire, avec les résultats qu'ils sont en train d'avoir, ça crée encore de la confiance. Et quand on a de la confiance, même ceux qui viendront, qui auront un peu plus quelques expériences de plus. Ah ben voilà. Ça a coupé, non? Bon. Il y a quelqu'un qui m'appelle, mais j'ai rapproché. Ah oui, vas-y, vas-y. Ceux qui viendront, qui auront un peu plus de 2, 3, voire 4 années plus qu'eux, quand ils vont s'installer... Ah, c'est les appels, ça. Quand ils vont s'installer, ils seront obligés de reconnaître ce leadership. Leader, ça vient aussi du mot leadership, parce que quelquefois, ils ont la prestance, ils ont la performance, et aussi, ils ont l'aura. Et ça, ben, les gens qui viendront seront obligés de l'accepter et de concevoir, parce qu'il ne sera pas seul, il sera lui leader, avec des sergents autour de lui, qui seront là aussi pour l'accompagner dans sa tâche. Eh bien, merci Lacina. On a eu Grégory Coupé lundi dernier. Il se rappelait, je crois, de ton but de 20 ou 30 mètres. Hein. On en a parlé. Il ne pouvait rien faire. Il n'avait rien pu faire. Hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Ciao. Salut Lacina. Voilà, messieurs. Bon, c'était intéressant. C'était un passage rapide, mais fourni de Lacina Diabaté. Messieurs, qu'est-ce que vous en retirez de sa définition, de tout ce qu'il a dit? Sam, est-ce que tu as entendu sur la fin? Ouais. Non, mais il a l'expérience, lui, des vestiaires qui sont composés de leaders qui font gagner une équipe, donc c'est intéressant d'avoir son point de vue, y compris à Bordeaux, parce que c'est toujours un contexte particulier, les Girondins qui puissent cette année en Ligue 2, donc c'était intéressant d'avoir son point de vue. Alors, effectivement, moi j'ai eu que la fin, mais il y a aujourd'hui pour moi entre les entre guillemets plus anciens, c'est-à-dire ceux qui ont connu la Ligue 1, et nouveaux, c'est-à-dire ceux qui entre guillemets ont débarqué cette année en Ligue 2, qu'ils soient jeunes et moins jeunes, un petit réservoir de, je ne sais pas si on peut parler de leader, mais au moins de joueurs qui sont responsables et responsabilisés. Et je trouve que ça c'est intéressant pour Bordeaux. Qui en sera les leaders? Je pense qu'il y en a qui vont l'être naturellement par leur personnalité aussi. Je pense à un Vital Simba. Je pense que Simba, ça va. Ah, mais dis donc. Mais t'as remarqué quand même, Nico, l'année dernière, on était fluide, tout se passait bien, il n'y avait jamais de soucis. Et les Bordeaux, ça n'allait pas du tout. Et là, le Bordeaux, ça va très bien. Par contre, ça merde quand même depuis plusieurs émissions chez nous. Ah bon, non, les petites turbulences. Les turbulences, il est en Espagne, Samuel, c'est pour c'est ça. Normal. Il est loin. On t'entend plus, Samuel. Tu parles dans le vide. C'est intéressant, plus qu'il disait, en plus, sur la responsabilisation des jeunes. Oui. Très, très intéressant. Parce que c'est un des axes majeurs sur lesquels on doit progresser en termes de club, en termes d'équipe et de club pour la formation. Et de voir ces gamins être aussi sérieux que l'on voit depuis le début, et on espère que ça va continuer, ça pourrait être un des grands points positifs de l'année. Ouais, Samuel, tu veux compléter ce que tu étais en train de dire ou pas? Non, bon, on n'arrive pas à le connecter. Bon, c'est pas grave. Joe nous a rejoint avec un nouveau symbole. Ah, j'ai des petits soucis de caméra, du coup, donc je préfère éviter ça. Tu peux pas désactiver ta caméra? Comment ça?
de pour ouais, pas c'est... avoir le symbole. Comme ça, on voit quand tu parles et tout, ça bouge, c'est plus sympa. Mais je n'ai pas de caméra en plus connectée, je ne comprends pas là pourquoi. Ah bon, c'est pas grave. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est... non, mais sur ce qu'il disait, la Sina, sur les leaders, mais on peut les citer là, les leaders. Gino les a déjà un peu cités. Hein. Ouais, il y en a d'autres. Hein. Il y en a sur le chat qui disait ça. Je crois que c'est Jessica qui parlait de Nsimba. Très bonne intuition parce que je trouve que depuis qu'il est arrivé, il a. Ben on disait des liens techniques, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a des cadres aussi qu'il a responsabilisés. Joe parlait très bien de Franz Sergio. On l'aime ou on ne l'aime pas, Franz Sergio. Mais il a un rôle dans l'équipe. Il a un rôle sur les jeunes, sur la manière de parler, de communiquer. Donc, ouais, il y a plusieurs joueurs. Moi, je vois plusieurs joueurs. Hein. Et même un mec comme Maja, qui n'est pas un leader naturel, lors des premières conférences de presse de la saison, avait dit « Malgré mon jeune âge, je me sens différent dans cette équipe et j'ai un rôle différent. » Parce que les joueurs qui sont à côté de moi, ils sont très jeunes. Ça a peut-être aussi responsabilisé d'autres joueurs autour qui sont un peu plus vieux, pas beaucoup plus, mais qui ont eu peut-être une autre attitude. Ouais. Et Joe, je te laisse compléter. Non, après, alors moi, j'ai pas eu la fin de ce qu'a dit la Sina, donc je sais pas si j'ai raté beaucoup de choses ou pas, mais j'avais compris un petit peu, effectivement, le fond un petit peu de sa pensée à ce niveau-là, avec effectivement un leader et des lieutenants ou des sergents, comme il le dit. Ouais. Moi, je fais ce constat-là. Alors déjà, effectivement, on parle des jeunes qui sont responsabilisés. Il faut se rappeler qu'en début de saison, le capitaine, c'était Tom Lacou, hein, qui a 19-20 ans, si je dis pas de bêtises. Et qui a plutôt très très bien tenu son rôle et qui a porté fièrement le brassard. Donc moi après quand je vois de toute façon cette équipe, moi je vois un leader qui est barbé et après je vois des lieutenants. Pour moi de toute façon il doit avoir un leader par ligne. Tu dois avoir déjà un gardien qui est assez solide. Et on voit que Poussin cette année effectivement parle beaucoup plus que l'an passé, qu'il a plus de confiance, donc effectivement il joue un rôle un peu plus intéressant. Pour moi c'est le leader de surface, entre guillemets, si on peut, surface défensive en tout cas. T'as le capitaine qui est leader de la défense, qui est donc du coup barbé. Tu dois avoir un milieu qui est capable effectivement de compenser les montées des défenseurs, de diriger un peu le pressing, de protéger la défense, et qui doit être capable de ressortir bien les ballons. C'est le rôle de Tom Lacou, pour moi à l'heure actuelle, qui est effectivement le second capitaine. Était censé avoir un leader d'attaque, un leader qui est plus technique, qui sait faire la différence par la passe, par les tirs, et qui est capable effectivement de prendre le ballon quand il y a besoin. Le problème, c'est, pour moi, c'est à ce niveau-là, c'est que le leader technique pour Guillaume, c'est Franz Sergio, de ce que je comprends. Et là, c'est un peu plus là où, pour moi, le problème se pose. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont peut-être un peu jeunes à l'heure actuelle, mais un Bakwa, un David Ajvili, même un Logan de Loré Chaubé, avec un peu plus de bouteilles, un peu plus de temps, pourront prendre pour moi ce rôle-là. Yeah. Donc, pour moi, dans ton équipe, tu dois avoir effectivement une hiérarchie. Tu as 7 joueurs qui doivent chacun occuper effectivement leur propre rôle et qui doivent faire leur propre mission. Tu dois avoir 3 leaders, enfin, entre guillemets, 3 sergents par ligne. Et tu dois avoir le leader, le capitaine. Pour moi, tu as une pyramide déjà à ce niveau-là. Et pour moi, on le voit à l'heure actuelle où effectivement, Girondins de Bordeaux, c'est défini, c'est dessiné, qu'on soit d'accord ou pas avec Guillaume. Au moins, il y a quelque chose qui est défini dans la hiérarchie pour moi. Le statut, après, il se mérite. Et le conserver aussi, ce n'est pas toujours évident. Il faut savoir le conserver aussi. Mais c'est ça qui est intéressant parce que cette année, parce qu'on l'a vu l'an passé, on se disait, putain, il n'y a pas de leader. Mais pour moi aussi, il y avait quelque chose, c'est que tu avais l'impression aussi que, en fait, quand tu étais joueur au Girondins de Bordeaux, tu étais parasité par le fait que le mec à côté de toi, ben, putain, il ne sait pas faire un contrôle. Putain, lui, il se place mal. Putain, lui il se fait dépasser à chaque fois dans le dos, etc. Donc, tu étais un peu parasité. Et tu n'avais pas de leader pour justement recadrer tout ça et reconcentrer les joueurs, effectivement, sur chaque mission, enfin, sur les missions de chacun. Là, tu les as. Et tu vois que bizarrement, sur le terrain, ben, les rôles sont mieux définis et chacun remplit sensiblement bien son rôle à l'heure actuelle. Donc, tant qu'on aura cette hiérarchie-là pour moi, ben, il y aura moyen effectivement de faire quelque chose de solide. Voilà. Après, on ne connaît pas les relations du vestiaire, nous. On ne fait que des suppositions sur les sergents. On ne voit que ce qu'il y a sur le terrain. Oui et non. Après, tu as quand même des joueurs qui vont plus souvent, par exemple, au niveau de la presse, etc. Et tout. Pour moi, ça fait partie. Tu vois, il y a quand même des choses qui se dégagent. Et dans les discours des joueurs, etc., il y a quand même le nom de Franz Sergio qui est quand même souvent ressorti par les joueurs. Lacou était le capitaine quand Barbé n'était pas là. Donc, tu comprends que c'est un peu le second à l'heure actuelle. Barbé, on a très vite compris que c'était le capitaine du groupe, etc. Celui qui me surprend, que je n'attendais pas vraiment, c'était pour moi,
pour moi, c'est poussin. Mais quand tu es gardien de but, effectivement, il faut que tu aies ce leadership-là quand même naturellement, notamment dans ta surface de réparation, et il commence à le prendre. Donc, c'est pour ça il est quand même de plus en plus intéressant. Allez, envoyez du like pour nous envoyer de la force. Allez-y. Objectif, parce qu'on en est 150. Allez, on n'est pas loin. Puisqu'on est en semaine entre deux matchs. Je salue, tiens, Gabriel Blondel qui est là. Il nous dit, je suis le seul à penser au sketch des Inconnus. Dès que j'entends, il n'y a pas de leader. Alors là, je ne sais pas à quel sketch il fait référence. Je ne l'ai pas, celui-là. Pourtant, j'ai pas référence, Gabriel. C'est le sketch où il parodie les flics dans la rue. Et que l'autre, il fait... pas les flics dans la rue, les Negra Bush Beat, quand ils font le groupe de rock. Ah oui, d'accord. Il y a le journaliste qui fait, et c'est qui leader dans le groupe. Et l'autre, il fait, il n'y a pas de leader. Oh, taisez-vous les gars, il n'y a pas de leader. Très bon, exact. Ok. Bien joué. Très bon. Quelle culture. Les Inconnus. Quelle culture. Merci à Gabriel, quand même, pour cette référence. Ah, bon, monsieur. C'est pas celui-là, apparemment, Conan. Si, c'est toi que je t'aime, si, c'est ça. C'est les Negra Bush. C'est toi que je t'aime, les Negra Bush. Voilà. Ma mémoire, elle est forte. Ah, c'est parce qu'il y a un décalage, je pense, entre la réponse sur le chat et ce que disait Conan. C'est pour ça. Voilà, on me dit merci. Merci. Et merci, un big up à Gabriel pour le prochain Caviar, un magazine de foot. Oui, super. J'avais lu l'avant-dernier, qui était excellent, Les 11 salopards. Et il y a un futur sur l'écologie qui va sortir, qui sera sûrement très bien. En tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas de l'acheter. Merci. Et je lui lance l'invitation à Gabriel. Ah oui. Gabriel, pour si tu veux venir nous parler du magazine Caviar, s'il y a un angle Caviar avec les Girondins, on peut faire ça. Hein. Avec grand plaisir, tu peux venir dans cette émission. Bon, Samuel, je pense qu'il n'arrive plus à se connecter. On le salue, on lui souhaite une bonne soirée. Parce qu'il était à l'étranger, pour ne rien vous cacher. Voilà, on salue Sam et on le remercie d'avoir été là quelques instants avec nous. Messieurs, voilà, on a fait le tour du leader, en plus avec l'avis d'un champion de France 99. Écoute, c'était top, qui s'est rendu disponible pour nous, pour vous, qui nous regardez. Maintenant, on va faire un petit point calendrier et match. On l'a un peu fait la semaine dernière, mais comme avec Grégory Coupé, on est quand même passé assez vite. Et il y a cette série de 6 matchs et j'aimerais avoir votre avis, sentiment et pourquoi pas votre pronostic sur cette série. Je vais les noter proprement sur le nombre de points que vous pensez que Bordeaux va faire et on les ressortira au mi-novembre. Bon moment. Voilà. Allez, je vous remontre le classement déjà. Hop, petit classement. Bordeaux 3e. Bordeaux, avec un match 3e. En retard pour Guingamp, qui est 5e. Ouais. Exactement. Et on tu as raison de le préciser. Donc on pourrait être 4. Match en retard face à Rodez. En plus, à domicile. Ouais, exactement. Et Bordeaux qui va. Alors attends, avant ça, j'avais une petite info là. Je ne sais pas, vous avez vu, le CIES, on l'a publié sur Web Girondin aujourd'hui, sur l'équipe bordelaise et sa jeunesse. Bordeaux est la plus jeune équipe de la Ligue 2. La plus jeune équipe de Ligue 2 cette saison, avec une moyenne d'âge de 23,4 ans. Il y a 40% des joueurs utilisés qui ont moins de 21 ans. C'est un record. Hein. Ouais, mais je pense qu'au niveau européen, sur des Ligue 1, Ligue 2, ça doit être énorme. Et justement, j'ai regardé Sochaux, qui était premier du championnat. Leur moyenne d'âge est de 26 ans. Et Le Havre, qui est second, la moyenne d'âge est de 25 ans. Ouais, on voit que ce sont des équipes plus... Voilà, plus expérimenté. Alors, avec Barbé et Nsiba qui vont jouer, ça va... Oui, ça va monter un petit peu. Ça va faire monter la moyenne. Voilà, alors, je vais vous afficher le calendrier. Qui c'est qui veut commencer? Joe, Gino, comme vous voulez, messieurs. Vas-y, Joe, vas-y. Allez, Joe. Laval, 1er octobre, c'est lundi soir. Donc, lundi prochain, le talk, ça sera mardi. Voilà, parce que lundi soir, il y a le match. Bordeaux-Metz. Le 8 octobre, avec le club qui fête les 141 ans du club. Bastia-Bordeaux, le 17 octobre. Bordeaux-Annecy, le 22 octobre. Bordeaux-Annecy, ça sera à 19h. Attention, on repasse sur un samedi à 19h et ça sera sur Prime Video. Ouais. Ensuite, il y a Nîmes-Bordeaux, le 5 novembre, qui n'est pas programmé. Et Bordeaux-Pau, le 12 novembre, face à l'équipe de Didier Tolo. Ça fait 6 matchs. Joe,
comment tu vois cette série où on ne joue pas des équipes de haut de tableau, à part Metz. Mais bon, ouais, Metz qui n'est pas non plus encore dans le haut de tableau, qui est plutôt dans le milieu de tableau. Donc, je l'ai dit de toute façon la semaine dernière, quand je vois le calendrier, quand je vois ce qu'on a fait en début de saison, si clairement on a le potentiel de monter, on doit faire pas loin du carton plein sur cette série-là. Je vois qu'à chaque fois, il y a... Je dis si on veut jouer la montée, Dino. Ah, non, mais j'entends, voilà. Mais peut-être que tu as raison en plus. Hein. Voilà, c'est entre guillemets, c'est comme je l'ai dit, après la Coupe du Monde et après Noël, on a quatre gros matchs avec Le Havre, Caen, Amiens, et je ne sais plus quel est le... Sochaux. Donc, quatre des six leaders avec Guingamp et nous. Donc, c'est pour ça que je disais que l'hiver pourrait être très très chaud à Bordeaux, parce que très clairement, si on joue. La montée, on le verra très très vite après la Coupe du Monde. Mais déjà, cette série-là, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un match par semaine. Il y a un petit creux en plus entre Annecy et Nîmes. Je vois, j'ai l'impression qu'il y a un week-end où il n'y aura pas de match. Alors, il va y avoir la Coupe de France qui arrive. Hein. Justement, c'est fin octobre, il me semble. D'accord. À vérifier, mais il me semble. C'est possible, ouais, du coup. C'est possible, effectivement. Bon, voilà, tu as une petite coupure aussi à ce niveau-là. Mais bon, Laval, j'en parlerai un petit peu après. Voilà, c'est quand même une équipe qu'on peut prendre vu ce qu'on a montré. Metz, avec tout ce qui se passe aussi, ils sont dans une situation qui est un petit peu complexe. Et pourtant, pour moi, j'en faisais un des favoris. Mais effectivement, c'est un petit peu complexe avec tous les cartons qu'ils prennent et l'ambiance qu'il y a. Ils se sentent un peu victimisés pour beaucoup de choses. Donc, ils ne sont pas vraiment concentrés sur le foot actuellement. Il n'y a que Bastia, le déplacement à Bastia, moi, qui me fait vraiment peur par rapport à l'atmosphère. Quand on voit l'équipe jeune qu'on a, voilà, c'est effectivement une atmosphère un petit peu spéciale. Après Annecy, Nîmes, voilà, Pau, on attend de voir effectivement parce qu'ils sont quand même sur deux victoires. Ils seront partis sur une série qui est plutôt intéressante, donc ils renclenchent quelque chose avec après un début de saison très difficile où ils n'avaient pas gagné un match. Je crois qu'ils sont sur deux victoires du coup, donc et un match nul si je dis pas de bêtises. Donc Pau va mieux, mais voilà, si comme beaucoup le prétendent, Bordeaux peut jouer la montée. À la fin de ces six matchs-là, si on ne fait pas 15 points, pour moi, on ne sera pas en mesure effectivement de jouer la montée. 15 points, ce qui ferait... 5 victoires. Ouais. Ah, c'est ambitieux, sur 18 points, c'est hyper ambitieux. Ouais. Après, j'ai peur qu'il y ait un accident, une petite défaite par-ci, par-là, sur un match qu'on n'attend pas, ce qui paraît possible. Donc, une défaite, et on va dire, allez, si on part sur un match nul à Bastia... Ça te ferait aller 13-14 points. Donc, j'ai envie de te dire, allez, comme j'aime pas le chiffre 13, on va dire 14 points. Voilà. 15 points plus 17, ça fait 32. Gino, moi, j'ai fait mon prono. Si je l'ai, je vous le donnerai après. Cette série de matchs, c'est des matchs plutôt abordables. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'étais parti en partie basse sur 11 points et je dirais 13. 13 sur 18, ce qui serait pas mal. Mais je pense qu'on peut perdre qu'une seule fois sur tous ces matchs, sur les six matchs. Pareil, je me méfie un petit peu, notamment du déplacement à Bastia. Genre de match où ça va tout donner en face. Faut voir aussi comment on réagit nous, même si on a plus d'expérience qu'avant. Ça peut être un facteur. Je pense qu'à domicile, on est en capacité normalement de pas loin de faire le carton plein. On doit être entre 7 et 9 points à domicile sur les trois prochains matchs. Parce que même Metz, on doit être, vu ce qu'on a montré, eux, ben, capables de les battre. Donc après, voilà, je dirais 13 points. Je pense que 13 points sur 18, ce serait déjà très bien. Si, après, comme dit Joe, si tu veux monter, c'est sûr qu'il faut monter le curseur et il faut être entre 16 et 18. Mais je reste encore un peu mesuré. Si c'était moins de 11 points, par contre, je trouve que ça serait décevant. Mais 13 points, je trouve que c'est un juste milieu. D'accord, pour viser la montée. Les gars, vous avez en ligne de mire la montée, ouais, parce que bon, oui, à 13 points, je trouve que t'es dans la partie haute du classement et t'es dans la course. Si t'es ça. Entre 16 et 18, tu te positionnes vraiment comme un candidat à la montée. On ne pourra plus se cacher, quelque part. Si on est en dessous, par contre, si on n'est pas du tout dans les objectifs, ça nous remettra en perspective par rapport à ce qui va nous attendre après la Coupe du Monde. Ouais. Allez, moi, je vous donne. Pour moi, j'ai 14 points. 14 points. Laval, victoire. Metz, victoire. Bastia, on va faire match nul parce que jouer en Corse, pour toutes les équipes, ça a toujours été une galère. Ouais, ouais.
Et Annecy, une victoire. Une victoire contre Nîmes. Non, une victoire contre Pau et un match nul contre Nîmes. Ça fait moi, 14. Je suis un peu... C'est 14. Moi, je suis un peu plus pessimiste que vous. Je vois bien une victoire à Laval. Je vois un match nul contre Metz, parce que même s'ils auront des suspendus, on sait c'est que Metz, ils vont... Il y a quand même un projet derrière et je pense qu'ils peuvent se ressaisir, d'autant qu'ils sont des très bons joueurs. Et jour d'anniversaire aussi. C'est toujours un peu... Ouais. Je pense qu'on aura certainement une défaite, ça sera à Bastia. Je pense qu'on battra Annecy, qui est promu. Laval et Annecy, c'est deux promus. Hein. Je pense qu'on ira prendre un match nul à Nîmes et que nous irons battre, que nous battrons Pau à domicile. Ce qui fait 11 points. Oui, 11 points, c'est sûr que tu joues pas à la montée. Après, il faut voir ce que font les autres. Mais tu restes quand même dans le haut. Il n'y a que Sochaux qui enchaîne réellement pour l'instant. Il n'y a que Sochaux qui est sur une série de 5 ou 6 victoires à l'heure actuelle. Après, le Havre, effectivement, qui est sur une série, je crois, mais juste de 2-3 victoires. Donc, tu sais qu'après, de toute façon, ils ne vont pas faire non plus. S'ils font carton plein, bravo à eux. Mais à un moment donné, où, de toute façon, tu auras des coups de mou. C'est pour ça que je pense que dans cette série-là, il y aura pour moi une défaite qu'on ne va pas attendre. Annecy, je sais pas, un match tout pourri où tu sens que l'équipe y est pas dedans, où ça se passe pas bien, ou, je sais pas, à Nîmes, voilà, pas forcément Bastia parce que je pense que l'équipe sera concentrée. Donc après Bastia, ils ont quand même perdu déjà 2 fois à domicile, mais contre des équipes entre guillemets, Laval, je crois justement, et si je dis pas de bêtises, je crois que le dernier match c'est Rodez ou Quevilly, une équipe comme ça, donc c'est des équipes qui sont plutôt de bas de tableau. Ils aiment bien effectivement jouer les grosses équipes, par contre. Bordeaux, ils nous attendent. Hein. Ils vont nous attendre comme il faut. Mais ça va être intéressant aussi pour les jeunes de voir s'ils arrivent à répondre aussi par rapport à l'atmosphère. Mais je pense que l'équipe peut être concentrée et ramener au moins un point de là-bas. Mais je sens la défaite du match que tu n'attends pas, où tu arrives un peu en confiance, où tu te rates un petit peu le début de match, où tu commences un peu à t'agacer parce que ça ne se passe pas comme tu veux, et puis tu prends un but à la con, et puis voilà, je sens bien la petite défaite 1-0 quelque part. Mais si tu prends 13-4 points, pour moi... tu fais partie des équipes qui seront quand même dans les 4-5 premiers, voire peut-être mieux, suivant ce que vont faire les adversaires aussi. Parce que tu vois que ça avance lentement quand même, à part Sochaux qui était parti difficilement, mais qui revient grâce à sa série de victoires. Mais sinon, dans le reste, c'est quand même en dents de scie. Donc Bordeaux fait partie des équipes les plus régulières à l'heure actuelle. Si on peut conserver cette régularité-là... Meilleure défense. Et 13-14 points, c'est être régulier dans ce que tu fais, hein, pour moi. Si tu fais la moyenne, je pense des 15 matchs à l'arrivée, je pense que la moyenne concrètement elle sera bonne, donc c'est pour ça, si t'es à 30 points à la fin déjà de cette série là t'es quand même bien placé pour monter dans les 5 premiers, oui. Je pense. Bon messieurs, c'est pas mal, je vous ai mis l'article là sur Bordeaux plus jeune équipe de Ligue 1, ça c'est fait. Ligue 2, oui, pardon. Tu veux pas, hein, tu veux remonter non, direct. Attends, Nico. J'ai pas l'habitude. Ne presse pas, du coup. Non, mais faut qu'on est en Ligue 2, je sais. Mais c'est on s'est bien acclimaté quand même. On s'est bien acclimaté à la Ligue 2, hein, c'est vrai. T'as raison. Bah, les Girondins nous ont bien aidé aussi à nous acclimater à la Ligue 2. C'est vrai, Conan. Pour plaisir. Après, on va voir maintenant, c'est la première vraie coupure qu'on a depuis le début de la saison, donc avec la trêve internationale. Ce que j'apprends aussi, c'est comment effectivement l'équipe va réagir lors de la reprise contre Laval. Voilà. Exactement. Grosse question. Tous les matchs sont sur beIN Sport. Donc Laval, c'est sur beIN Sport. Metz, c'est sur beIN Sport. Bastia, c'est sur beIN Sport. Annecy, c'est sur Prime. Et Nîmes et Pau, c'est pas encore programmé. Ça sera peut-être sur l'équipe du coup, Bordeaux-Annecy, c'est pas impossible. Alors on l'a publié sur webgirondin.com. Il y a le multiplex et le match directeur, c'est Bordeaux-Annecy. Voilà. Mais c'est sur Prime. Et sur l'équipe, mais c'est sur Prime si vous voulez voir que le match de Bordeaux. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avant qu'on fasse Laval Bordeaux ? On a lancé. 50 likes s'il vous plaît. Ouais, non, ça j'ai voilà, très bien. Et on a lancé l'élection du meilleur joueur du mois de septembre, messieurs. J'ai juste vous poser la question. Vous allez me dire comme ça rapidement pour qui vous votez. Alors on a pris les joueurs qui ont reçu le plus de votes à l'issue des matchs sur le site donc webgirondin.com, et il y a bien sûr 5 joueurs qui se détachent parmi les joueurs éligibles au titre de meilleur joueur du mois de septembre. Au mois d'août, c'était Malcolm Bokele qui avait été élu meilleur joueur du mois de septembre. Donc je vais vous les donner, les joueurs. Les matchs, attends, les matchs à partir de quel match, Nico ? Alors, les matchs de septembre, Paris-Bordeaux.
PFC Bordeaux, victoire voilà. 3-1. Okay. Saint-Etienne-Bordeaux, 2-0. Et Bordeaux-Dijon, 2-1. Donc, il y a 5 joueurs éligibles. Gregersen, Bakwa, Bokele, Poussin et Nsimba. Gregersen, Bakwa, Bokele, Poussin et Nsimba. Gino, pour toi, c'est lequel parmi ces 5? Pourquoi tu ne mets pas Maja? J'ai une question. Pourquoi tu ne mets pas Maja? Il n'a pas reçu assez de votes. D'accord, ok. Ah, c'est l'action. Tu mets Maja, tu as raison, Joe. On a dit Paris FC, Dijon et Saint-Etienne. Et les joueurs éligibles, c'est Gregersen, Bakwa, Bokele, Poussin et Vital Nsimba. Bah, j'aurais limite tendance à dire bah, plutôt. Ouais, c'est compliqué quand même, c'est pas si simple. Ouais. Mais par rapport aux performances, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de régularité totale sur ces joueurs sur les trois matchs. Mais les deux performances, les deux dernières m'ont vraiment paru vraiment très très bonnes. Donc j'aurais tendance à dire Nsimba. Et d'accord. Je trouve que ouais, ces performances, pour moi, elles sont vraiment hyper bonnes, notamment celle de Dijon. Je trouve qu'elle est. Il est vraiment. Pour moi, c'est le meilleur joueur des Girondins. Et contre Saint-Etienne, il offre quand même deux caviars qu'on ne met pas. Donc sur les trois matchs, je trouve qu'Nsimba fait quand même le travail. Oui, très bien, Gino. Monsieur Jonathan D'Agostino. Moi, j'hésitais entre deux joueurs. Donc, il y en a un qui, de toute façon, qui n'est pas dedans. Donc, c'est Maja parce qu'il a quand même mis 4 buts. Sur 3 matchs, c'est plutôt pas mal, même si c'est beaucoup de pénalty. Mais le joueur que j'ai envie de mettre là-dedans, ça va faire débat, je pense, c'est notre ami Dylan Bakwa. Alors oui, il a raté effectivement beaucoup d'occasions qui auraient pu nous faire du bien, notamment contre Saint-Etienne. 1-0, il a quand même deux grosses situations. S'il y met dedans, il y est Bakwa dans les. Non, mais je sais. C'est justement, c'est pour ça que je vote pour lui. Parce que c'est l'un des rares joueurs devant qui a la capacité de faire la différence seul. Et il commence vraiment à faire vraiment la différence. La seule problématique que j'ai avec lui, c'est sa finition. Mmh. Mais le nombre d'occasions qui se crée et qui crée à lui tout seul sur trois matchs, ça fait longtemps qu'on n'a plus un joueur qui a cette capacité-là. Pour moi, le dernier, toute proportion gardée, c'était Malcolm. Donc là, tu es en Ligue 2 aussi, donc aussi, ça aide peut-être par rapport à ça. Mais la capacité qu'a Bakwa à créer des situations dangereuses pour nous fait que pour moi, je le mets effectivement dans le top de ce mois-ci. Avec ce petit bémol de la finition, mais le jour où il va comprendre comment finir ses actions, il fera partie pour moi des meilleurs joueurs de Ligue 2 s'il continue comme ça. Voilà. Ouais. Donc c'est pour moi un vote d'encouragement, on va dire, plus qu'autre chose, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joueurs qui se détachent aussi dans le groupe qu'il y a eu. Je trouve que c'est assez homogène et c'est ça qui est intéressant aussi. Je trouve pas qu'il y ait un joueur qui se détache vachement. Mais alors, offensivement, pour moi, c'est Bakwa qui se détache. Donc, voilà. En tête, là, c'est Gregersen, 32%. Bakwa, 32%. C'est mon deuxième. Hein. Moi, j'hésitais entre le Nsimba et Gregersen. Moi, c'est Gregersen. Niveau régularité. Mmh. Il ne fait pas le match de Saint-Etienne, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il est suspendu. Mmh. Si je ne dis pas de conneries. Oui, je crois. Et en tout cas, il ne joue pas, exact. C'est sûr. Mais c'est pour ça que j'ai hésité. Mais pareil, hein, si tu prends les deux autres matchs, il n'y a rien à dire. C'est Gregersen. Toi aussi, Conan Gregersen. Ouais. Moi, j'ai voté Gaëtan Poussin. Le président du fan club. Je vais au bout de mon idée. Non, mais j'avais envie. Écoute, je trouve qu'il a été très régulier et il a fait des bonnes choses. Et il a été mis au repos d'ailleurs, l'ami Gaëtan Poussin. Oui, pour oui. Le match, oui. Au repos. Parce que j'ai vu, bon. Je ne suis pas trop people, mais les gens sur Bordeaux l'ont pris un peu en train d'aller faire un peu la fête. Et il a raison, c'est de son âge. Mais j'ai vu qu'il n'était pas du tout dans le groupe et autres. Et je trouve que c'est plutôt intelligent de la part de Guillon. Oui, et puis pour faire jouer façon Strauchek un petit peu, il fallait qu'il ouais, aussi. Il y a voilà. Ça, mais tu peux l'amener aussi dans le groupe. Entre guillemets, tu peux amener trois gardiens. Enfin, on sait comment ça se passe dans un groupe pro. Mais s'il l'a fait intentionnellement en disant « Poussin, il a vécu beaucoup de choses depuis trois mois, entre son faux départ ». Le fait d'être numéro 1, faire les matchs et autres. S'il y a une idée derrière qui est de dire c'est bien de relâcher la pression de temps en temps pour ces gamins-là aussi, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, Poussin, je trouve que c'est plutôt intelligent. Mmh. Je ne sais pas si c'est le cas. Poussin était à Limoges, dit Michel.
Il l'a vu, il était peut-être en tribune. Il était en tribune, peut-être. Je pensais qu'il était plutôt. Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas vu. Bon, il n'était pas sur la feuille, en tout cas. Qui était au repos? Tu avais Lacou, tu avais Bokele aussi au repos. Et puis, tu avais tous les internationaux qui n'étaient pas là. Messieurs, Laval-Bordeaux, c'est lundi. Encore une semaine à attendre avant de voir le match. Ça va être l'enfer. Une semaine à attendre avant ce match. Joe, on va te donner la parole pour ce match face à Laval. Alors, j'avais préparé deux petites stats pour introduire le sujet. Laval, 13e du championnat, 3 victoires, 1 nul, 5 défaites, 15 buts encaissés. Et surtout, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que je vous ai donné l'info que Bordeaux avait l'effectif le plus jeune de Ligue 2. Eh bien, Laval, c'est tout le contraire. C'est l'effectif le plus vieux de Ligue 2 avec plus de 30 ans de moyenne d'âge. Voilà. Eux, ils ont des... Nous, on a des classes biberons. Eux, c'est classe papy. Ouais. c'est la maternelle. Allez, contre les pads, un peu, ce match-là, j'ai l'impression. Non, voilà. Ouais. Bref, comme tu dis, 13e, 10 points avec 3 victoires sur 9 matchs. Aucune victoire à domicile. Aussi, quand même, c'est quelque chose d'important. Pau a même été chercher sa première victoire il y a 2 journées là-bas, alors qu'ils étaient en grande difficulté. L'équipe a surfé un petit peu en début de saison sur la vague de la montée en national, enfin de national en Ligue 2, avec 2 victoires à l'extérieur, notamment contre Bastia en première journée et Annecy lors de la 3e journée. Puis ils ont enchaîné 4 défaites d'affilée avant le dernier match contre QRM lors de la 9e journée. Et c'est une mauvaise série, voilà, cette mauvaise série pour les Tangos. Ça fait à peu près 4 ans qu'ils n'avaient pas connu une telle série négative. Donc clairement, il y a eu beaucoup de remises à question là sur le mois de septembre pour eux. Faut dire que l'infirmerie est quand même bien remplie depuis le début de la saison. Et l'exemple contre Pau, ils avaient seulement 19 joueurs de disponibles. Donc nous, on est parfois limités. Mais alors eux, depuis le début de la saison, parfois, il y a des situations un petit peu compliquées. Beaucoup d'absents au milieu. Samsana et Tapoko, notamment pour des joueurs, on va dire, importants qui sont en phase de reprise, mais qui sont absents depuis pratiquement le début de saison. En attaque, Fumuta Muso, Da Silva et Steven Ntimba qui s'est blessé. Lui, je crois que c'est les ligaments, il est out pour toute la saison. Donc, il y a 3 joueurs, du coup, au niveau offensif qui sont à laisser actuellement. Il y a Yaya Sanogo qui est à laisser lors du match amical contre Angers, qui s'est blessé et qui ne devrait pas être sauvegardé. Mustapha Sangaré. Oui, et j'ai lu là, tout à l'heure, avant l'émission, ils ont mis un terme à ces 2 essais. Les joueurs n'ont pas convaincu le club de Laval. Non, clairement. Sanogo, déjà, il s'est blessé de toute façon. Donc, lui, c'était out. C'était dit en plus. Donc, c'était pour quelques semaines. Et Sangaré, effectivement, n'a pas fait un match transcendant, apparemment, contre Angers. Mais il cherche, effectivement, un profil athlétique pour poser sur les défenses qu'ils n'ont pas. Par contre, il y a un joueur qui est dans la réserve, là, qui devrait intégrer le groupe, qui arrive en provenant de la réserve, justement, de Rennes. C'est Diakabi, qui devrait signer, qui, normalement, aurait dû déjà signer avant le match contre QRM, mais ça n'a pas été fait. Mais ça devrait arriver dans les prochains jours, normalement. En plus effectivement des absents de défense, il y a Perry Cross qui était revenu, qui lui est en défense, qui s'est blessé au genou lors du match amical contre Angers, qui était revenu seulement il y a 2 matchs dans le groupe, et Kevin Perrault qui est absent effectivement, qui n'a joué qu'un match aussi, qui pareil était revenu d'une longue blessure et qui s'est en plus blessé à la cheville avant le match contre Quevilly-Rouen. Donc pour ne parler que, après il y a encore d'autres joueurs qui sont pour moi importants, qui sont également blessés. S'ajoutent en plus les suspendus bien évidemment régulièrement dans tout ça. Donc l'entraîneur, c'est Olivier Frappoli. Donc il a fait la majorité de sa carrière en tant que joueur en division 2, justement dans les années 90 en tant que libéro, donc il connaît très bien ce championnat-là. Selon lui, pour définir un petit peu son équipe, il y a beaucoup de points négatifs dans son effectif et dans son équipe. Et pour lui, ça manque vraiment de pragmatisme dans les moments importants d'un match. Ils ont du mal à imprimer vraiment leur jeu longtemps sur un match, en grande majorité dû au fait qu'il y a beaucoup de pertes de ballons rapides, notamment suite à des récupérations. L'équipe s'use à jouer trop vite vers l'avant pour trouver de suite la solution, avec du jeu long par exemple, en cherchant de suite la passe décisive. Le porteur lâche le ballon dès qu'il y a un mouvement d'un coéquipier, dès le premier appel. S'ajoute en plus cette volonté des joueurs de récupérer vite le ballon. Il y a des progrès à faire lors de la récupération en plus haute, parce qu'en plus il se pompe. Ils pompent beaucoup d'énergie à ça. Et de ce fait, comme ils pompent beaucoup d'énergie à ça, ben, le bloc peut être vite déstabilisé sur une contre-attaque. Et il peut y avoir ils sont souvent punis plutôt comme ça. Ils doivent vraiment apprendre à conserver le ballon et mieux gérer les possessions. Ils sont également en difficulté et limités sur les duels aériens. Le constat, c'est que physiquement, ils ne savent pas gérer leur énergie sous 90 minutes, très clairement. En plus, il y a une difficulté supplémentaire pour eux, c'est que leur meilleur buteur de l'année dernière, Geoffrey Durban, qui était à 19 réalisations l'an passé, est resté muet sur les 8 premiers matchs. Il a seulement marqué que contre Quevilly sur un pénalty qu'il a quand même lui-même obtenu, mais c'est aussi sur pénalty. Ça nous rappelle un peu Maja aussi.
Et le dernier point sur la faiblesse, et non des moindres, c'est la défense. 15 buts encaissés, c'est la quatrième plus mauvaise défense de Ligue 2. Les gardiens se sont alternés au bois et sauvage. Une stat quand même qui est assez inquiétante pour eux, c'est que les gardiens ont seulement arrêté 59% des tirs subis. Donc ça montre un peu vraiment leur, la difficulté défensive. C'est pas forcément dû aux gardiens, mais on sent que en défense, que ce soit les gardiens ou la défense, il n'y a pas du tout de confiance. Les forces quand même, ils ont quand même des atouts pour eux, c'est que c'est une équipe qui est assez fougueuse. Certes, effectivement, ils mettent beaucoup d'énergie dans leur match, mais ils montrent une intensité qui est assez importante par moment, qui leur permet de prendre le dessus sur 5-10 minutes, par séquence, on va dire. Ils prennent le dessus sur l'adversaire. Ils arrivent à récupérer des ballons dans les bonnes zones, même s'ils ne savent pas en majorité bien les exploiter derrière. Donc attention aux pertes de balles, entre guillemets, dans notre défense. Ça reste un effectif expérimenté, comme tu as dit, Nico. Beaucoup de joueurs sont habitués à la Ligue 2 et même à la Ligue 1 pour certains. Il y a deux joueurs à surveiller qui surnagent. C'est Julien Majotti, le milieu, qui a 4 buts et 4 passes décisives. Ah oui. Qui est un petit peu, quand même, effectivement, c'est pas mal, ça. Le baromètre, un petit peu, le joueur décisif au milieu. Et Zachary Nedji, qui est un petit peu le tube de l'été à Laval, parce qu'il est capable de mettre des buts spectaculaires. Son atout, c'est sa frappe, sa puissance de frappe. Il est capable de frapper un petit peu dans toutes les positions dans les 30 derniers mètres. Il est aussi à hauteur de 4 buts. Donc, c'est plutôt intéressant pour une équipe, je crois, qui a marqué que 12 buts ou quelque chose comme ça. Enfin, que 12 buts, c'est un maigre mot, mais l'attaque est, entre guillemets, correcte. Mais effectivement, ils sont aux 3 quarts, effectivement, des buts, en tout cas dans les stats offensives, en tout cas de leur équipe. Donc, si tu arrives un petit peu à tuer ces joueurs-là, qu'on l'a fait concrètement dans le jeu, tu sais que t'es à peu près serein, effectivement, dans ton match contre eux. Après, voilà, ça reste quand même une évidence aussi, c'est que le coach n'a pas trouvé son système. En grande partie due à la mauvaise série qui a été faite effectivement sur les 4 défaites d'affilée et aux difficultés dues à leur attaquant principal d'Urbain. Ce qui se dégage, c'est une défense à 3 quand même avec 2 pistons plus ou moins hauts selon quand même l'adversaire et la physionomie de la tactique quand même de Frappoli. Mais ça reste au milieu, c'est compliqué de définir quelque chose au milieu, ça peut jouer à 2, à 3 milieux. Et en attaque, c'est pareil, ça peut jouer à 1 ou 2 pointes par moment avec des joueurs parfois qui sont hauts sur les côtés, parfois non. Donc clairement définir un système ou une équipe chez eux, c'est un peu compliqué. Lors du dernier match contre QVD, on était sur un 5-3-2 qui a apporté une victoire 3 buts à 1 qui est correcte dans l'ensemble. Ils ont mené 2-0, ils se sont fait revenir à 2-1, mais ils ont quand même marqué effectivement le troisième but en fin de match, en sachant que QVD a pris un rouge vers la 70-75e minute, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça paraît probable qu'on reparte quand même sur le même système, ce 5-3-2, quand même contre nous. Voilà. Okay. Pour conclure, le constat, c'est que Laval ne semble pas s'être encore totalement adapté à la Ligue 2, surtout physiquement. Le staff l'a dit aussi lors de la préparation, ils ont vraiment mal appréhendé le palier supérieur en termes de volume de course. Les joueurs font plus d'efforts que la saison dernière et du coup le payent avec des erreurs offensives et surtout défensives à la perte du ballon. Cette mauvaise gestion physique alliée à un manque de maîtrise du ballon font que Laval subit souvent le jeu de leur adversaire et se met régulièrement en danger, comme je l'ai dit. La preuve, ils ont rarement eu la possession du ballon sur 90 minutes comparé à l'adversaire, quand on regarde les statistiques de pourcentage de possession. Et le fait qu'ils subissent la possession, ils se mettent également en danger parce qu'ils subissent beaucoup, beaucoup plus de frappes que l'adversaire. Dans la majorité de leurs confrontations, il n'y a que 2 confrontations où ils ont plus frappé que leur adversaire, où ils ont eu même la possession, mais c'était des adversaires, qui étaient, dans ce cas-là, réduits à 10. Donc voilà, c'est une équipe qui se met grandement en danger, physiquement et tactiquement. Donc si on arrive à exploiter ça très clairement, on peut se mettre rapidement le match dans la poche. Voilà. Eh bien, merci Joe pour cette présentation. J'ai affiché à l'écran la compo probable. Je rappelle qu'il n'y a ni Tom Lacou ni Dylan Batquoi qui sont suspendus. Mm-hmm. D'accord. Oui, Conan, tu veux prendre la parole. Je voulais juste parler d'une stat qu'il a pas citée, à moins que je ne l'ai pas entendue. Mm-hmm. Mais Laval, sur 4 matchs à domicile, n'a pas gagné une seule fois. Et la seule fois où ils ont réussi à ramener un point, c'est contre Metz. Et c'est après que Metz ait pris 2 cartons rouges.
Donc, ils sont peut-être pas non plus aussi au top de leur forme sur leur propre terrain. Ouais, ils ont toujours pas gagné à domicile. Ouais, donc je ça, l'ai dit au début, ouais. Ils ont pas gagné. Ils ont fait un beau match contre Metz quand même. Hein. Ils s'étaient accrochés, comme disait Joe, ils avaient des périodes où tu sentais que ça poussait dans tous les sens. Mais c'est un match à part. Clairement, Metz, c'est vraiment un petit peu un match à part. C'était un très beau match. Mais par contre, dans le jeu, en règle générale, ils sont, dans la majorité du match, ils ne maîtrisent pas les événements. Très clairement. Mmh. Tu le sens. Et ça peut être sûrement un match ouvert, d'après ce que nous dit Joe et ce qu'on voit un petit peu par-ci et là. Donc, Chez nous, non, clairement, je pense qu'il y a, il y a moyen de ne pas prendre de but, surtout que quand Laval, clairement, entre guillemets, quand Laval prend le premier but, généralement, il perd derrière, sauf contre Metz. Mais là, c'est un match un peu particulier. Non, on joue à Laval. Là. On joue à Laval, ouais. Mais Laval est en grande difficulté dès qu'il s'agit effectivement d'attaquer, parce que, comme on dit, ils perdent très vite le ballon, ils ont énormément de déchets. C'est peut-être l'équipe qui a le plus de déchets en Ligue 2 à l'heure actuelle. Donc, dès qu'ils ont besoin d'attaquer, ils ont du mal vraiment à le faire. Donc, ça, c'est intéressant pour nous. Voilà. Gino, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est plus par rapport à la compo d'équipe que tu allais mettre là, Nico. Je sais pas. Alors, si vas-y, je vais la remettre. C'était très un sujet abordé, parce que là, il y a vraiment un sujet tactique et de composition, oui. Plus que d'habitude. D'habitude, on connaît l'équipe. Nico, tu le dis, hein, à chaque fois, tu as la bonne équipe sur Web Girondin. Et c'est l'équipe qui sort le dimanche. On n'est tous pas trop surpris de ce qui se passe. Mais là, maintenant, sur ce qu'on a vu, sur le profil d'équipe que nous donne Joe, qui est quand même important, on va à Laval. Laval, voilà, il y a des moments où il y a des grosses lacunes défensives. Ce n'est pas la plus grande équipe du championnat. Il y a des absents et un absent de taille qui est Tom Lacou au milieu de terrain, ce qui fait qu'on a un réservoir de milieu de terrain qui est très faible. Si on part dans ce système-là, concrètement, le seul milieu de terrain qui nous reste sur le banc, c'est Depucé. On est d'accord? Voilà. C'est quand même ça, Nico. Attends, oui, c'est ça, je vais dans la ressortir. Les trois du milieu où tu peux redescendre peut-être de Laurier Chaubé, mais qui serait une innovation parce que concrètement, on n'aurait plus personne derrière en remplaçant. Donc je pense, moi, je ne partirais pas sur ça. D'accord. Étonnamment. Et je resterai sur ce qu'a fait Guillon. Je partirai en 3-4-3 sur ce match de Laval. Et je garderai la première mi-temps. Oui, la première mi-temps qu'il a fait contre Clermont. Je trouvais ça plutôt positif. Et j'irai à Laval avec deux attaquants qui sont Badji et Madja, Delaurier Chaubé en 10. Attends, je vais faire la compo. Attends, je fais la compo là. Je l'ai mis. Alors, Poussin dans les buts. Plaisir. Poussin dans les buts, bien entendu. Manga, dis-moi. Barbé dans l'axe. Allez, Barbé. Gregersen, axe droit. Droite. On garde de l'expérience, des joueurs de qualité. À gauche, Nsimba, très bien. À droite, plutôt Bokele. Ouais, voilà. Au départ, parce que pour moi, pour l'instant, plutôt Bokele, et à voir en fonction du match après. Au milieu de terrain, donc, plutôt Sissoko, bien sûr. Sissoko qui rentrerait dans l'équipe et qui a besoin, pour moi, sur ce milieu à deux. Je le trouve très intéressant parce qu'il a un volume, il a un gros volume. Et plutôt Fran Sergio à côté. Plutôt Fran Sergio. Tu mets parce pas, que je pars... Tu ne mets pas Ignatienko. Non, je pars du principe qu'on doit aussi faire le jeu et ça peut être un relais, Fran Sergio, entre la défense et l'attaque. Sachant que Delaurier Chaubé, comme l'avait dit un peu Joe dans l'analyse, peut se balader un petit peu sur le front de l'attaque. Derrière Madja et Badji qui seraient par exemple associés en attaque. Donc voilà, plus Delaurier entre guillemets qui se balade, qui peut être axial et qui se balade, et Madja et Badji devant les deux attaquants. Voilà. Et David Ashvili, repos, comme il rentre de sélection et qu'il a joué et qui va jouer là. Il joue demain, ça aussi. Ce soir, il joue. Il joue exactement. Ce soir, et joue ce rien soir, ne nous oblige dans l'effectif de voir qu'un match est 90 minutes et que les Lavallois, quand ils vont voir qui va rentrer Ignatenko, David Ashvili, des joueurs comme ça sur le banc. Ben, ça peut faire quand même des différences pour moi. Et il est remplaçant ce soir face à Gibraltar. Et il n'est pas sur le banc. La Géorgie mène 1-0 et on joue la 32e minute. Voilà, ça va être tout. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette compo, Joe? Qu'est-ce que tu penses de cette compo? Moi, j'y crois pas. Déjà, je pense pas que tu pourrais te passer de David Ashvili vu que tu n'as pas Bakwa. C'est là qu'on va voir aussi l'importance de Lacou et Bakwa dans l'équipe, parce que là, ces deux absences-là, elles vont peser grandement dans notre équipe. C'est un petit peu, moi, l'inquiétude que j'ai.
parce que je vois pas un joueur capable d'avoir la même intelligence de jeu, notamment dans le cadre des couvertures que Lacou. Et je vois pas un joueur capable de dynamiter aussi bien la défense que Bakwa, sauf peut-être Davutashvili, mais pour moi, Davutashvili, on l'a vu que sur un match, donc après, est-ce qu'il peut reproduire ça à chaque match, pour moi, c'est une grosse interrogation. Pour moi, tu repars sur une défense à 4. Par contre, je pense que c'est le milieu où tu auras peut-être une différence. Tu auras Sissoko et Ignatenko pour moi au même niveau et Franck Sergio en 10. Et après, tu auras Davutashvili à droite, Dolores Chobé à gauche et Maja en pointe. Badji, pour moi, il ne sera pas titulaire. J'y crois pas. Donc, tu repars sur une formule classique de 4-3-3 oui. comme on connaît et on garde, entre guillemets, avec un Guillon qui est plutôt sécure par rapport à ce qu'il fait depuis le début de saison. Sécure et qui aussi se base sur le fait que tu n'es pas Lacou et ni Bakwa. T'as ça aussi qu'il faut prendre en compte pour moi. Quand t'es coach, concrètement, quand tu perds deux éléments aussi importants, tu peux pas te permettre peut-être de changer ton système non plus. Surtout que numériquement, tu peux les changer. T'as quand même des joueurs qui sont en capacité effectivement d'occuper le poste. Pas de la même manière, mais qui ont quand même cette capacité-là. Moi, limite, si on part sur ça, je mettrais limite Sissoko plus bas qu'Ignatenko. Enfin, moi, j'inverserais Sissoko et Ignatenko. Moi, très clairement. Mais je pense que Sissoko et Ignatenko vont être pour moi au même niveau défensivement. Et que Franck Sergio va être effectivement plus haut à la hauteur, enfin, en 9,5. C'est là qu'il est le plus intéressant. Après, voilà, c'est pour ça que Bokele sur une défense à 5, je le vois pas à droite. C'est pas possible. Enfin, c'est un piston droit. Pour moi, c'est impossible. Il n'aura pas la capacité de le faire. Et tu peux le mettre en difficulté en plus. C'est pour ça aussi que je me dis cette défense à 5, j'y crois pas. J'y crois pas parce que t'as pas l'élément à droite pour te permettre effectivement de faire ça. Sauf si tu tentes, si tu retentes un 2PC, voire même un Sissoko. Mais je vois pas l'intérêt non plus de sortir Sissoko du milieu, vu qu'on n'aura pas la coupe. Donc, voilà. Sur le chat, ça donne quoi? Quelles sont les réactions, Conan? Il y en a deux, trois qui étaient d'accord avec Gino, mais il y a quand même une bonne majorité qui veulent rester sur la sécurité de quatre défenseurs, comme on a eu depuis le début. Et par contre, bah, ça tique forcément sur le joueur que l'on connaît tous, Franck Sergio. Mais bon. Par contre, ils sont sûrs. Parfaitement. Hein. Moi, dans un premier temps, j'étais plus sur ça, d'un peu jouer un peu. Tranquillement et se dire on va rester sur nos aptitudes qui sont bonnes, notre système et être un peu avec pas le frein à main mais se dire on a quelque chose qui marche, ne changeons pas, pas changer pour changer. Là tu mets c'est Guillaume lui-même qui teste ça contre Clermont, je trouve de sa part que c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'il se donne une opportunité de pas être trop connu de tous parce que tout le monde sait comment on va jouer et quelle est notre composition d'équipe. Et je trouve qu'il se donne une carte supplémentaire qui a été quand même plutôt très intéressante contre Clermont. Donc, pourquoi ne pas le tenter contre un adversaire qui est supposé être beaucoup plus faible que nous? Ouais, parce qu'avec la compo à 4-3-3, tu mets Manga sur le banc. Manga qui a fait tout le match face à Clermont. Oui. Comme depuis. Et comme Sissoko. Ouais. Tout à fait. Il va falloir que le milieu soit en capacité quand même de protéger la défense, notamment sur les pertes de balles. Comme on dit, Laval récupère des ballons hauts, même s'il les exploite mal, suffit d'un ballon, concrètement, entre guillemets, d'une erreur de relance ou quoi que ce soit, parce que le pressing est assez intense. Si on arrive à passer ce premier rideau-là, clairement, après, Laval sera en danger derrière. Donc, il faut des joueurs aussi capables, effectivement, de manier un petit peu de ballon. Ignatenko, c'est ce qui m'inquiète un peu dans ce rôle-là. C'est pour ça qu'effectivement... Moi, je suis plus de l'avis de Joe. Hein, je pense qu'il alignera un 4-3-3, ce qui n'empêche pas après d'avoir un autre système en cours de match, tu vois. Mais... Oui, bien sûr. Et même de... Oui, la sécurité. Je ne le vois pas partir sur la défense à 5, là, tout de suite, avec une mi-temps qui, de mon point de vue, m'a laissé quand même... Vous avez été hyper positif, mais moi, je trouve que cette mi-temps, on a énormément de lacunes. Alors, tous les joueurs n'étaient pas là. Défensivement, oui. Je te trouve dur, Nico, franchement. Après, oui, mais parce que tous les joueurs n'étaient pas là. Mais même dans le système, depuis c'est à droite, ça n'avait rien à voir. Quoi. Je veux dire, c'est comme l'année dernière, quand on descend en Ligue 2 avec Lacou à droite. Quoi. Je veux dire, c'est une ineptie de faire jouer Tom Lacou. Parce que droit, c'est pas si simple que ça à gérer, on le sait. C'est le système. Ce système, on l'a connu avec Souza, rappelez-vous. Mais Paul Souza, on l'a connu, celui-là. Donc, on sait très bien que c'est pas si simple, et c'est vrai. Moi, j'entends les personnes qui te disent à appréhender. Comme ça, d'un coup, c'est peut-être complexe, c'est vrai. Mais je trouve que l'opportunité était quand même intéressante, et peut-être dans l'année, peut-être ça ne sera pas de suite, mais peut-être dans l'année, et je trouve que Guillon, il gagnerait même pour lui par rapport à son groupe. Je pense, oui. Bon, on m'a dit de toute façon,
C'est un socio qui me disait ça. Il me dit, Nico, tu vas voir, il va être obligé de changer le système pour intégrer le plus de joueurs et faire jouer le plus de joueurs qui le méritent. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, c'est... Là, après, ce sera le choix du coach après, derrière. Mais, de toute façon, moi, je pense qu'il faut mettre toutes tes cartouches d'entrée. Et parce qu'on sait que nous, là où on a fait les meilleurs matchs, c'est quand on fait la différence très vite. Après, on sera en capacité de gérer. Si on arrive à mettre, comme on l'a fait contre Rodez ou Couvilly, deux buts comme ça d'entrée, parce que c'est une équipe, entre guillemets, qui est dans ce championnat-là. Donc, c'est pour ça. Mais si on arrive d'entrée à faire 2-3 différences, quand au bout de 25 minutes, une heure de jeu, on mène déjà au score et tout, clairement, on va se faciliter grandement le match. Et là, tu pourras peut-être même basculer sur une défense à 5 à ce moment-là, faire souffler David Tachvili, faire souffler Maja, faire entrer Badji, etc. Et tout, par exemple, voilà, et faire entrer peut-être un jeune devant. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'entame du match. Je pense que même dès l'entame du match, il faut sortir les armes pour faire la différence d'entrée. Voilà. Allez, messieurs, les pronostics. Conan, tu donneras ton pronostic et celui du chat. Gino, je te laisse commencer. Pronostic pour toi. Pronostic 2-1 pour Bordeaux. 2-1 ouais, pour Bordeaux. Je vois un 2-1 pour Bordeaux. Écoute, avec pourquoi pas le premier but de Badji. Ah, mais ça serait sympa. Mmh. Ça serait super. Joe. Quand je dis, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de la coupe et Bakwa. Si clairement ça ne nous impacte pas, je pense à une victoire 3-1. Bien. Alors, Gino 2-1. Toi 3-1. Conan. Ton prono. 2-0 pour Bordeaux. Magnifique. Et sur le chat, ça donne quoi ? Il y a déjà des pronostics sur le chat ? Sur le chat, c'est un peu varié. Dans tous les cas, une victoire de Bordeaux. Et même s'il y en a beaucoup qui mettent qu'on ne prendra pas de but, au maximum, on n'en prendrait qu'un sur ce qui est dit avec 3-4 buts marqués. C'est pas une mauvaise attaque, Laval, attention. Hein. C'est une très mauvaise défense. Par contre, l'attaque est dans le haut du panier. Hein. Donc, il y a des joueurs qui sont en capacité de faire des différences et notamment l'attaquant que j'ai cité, là, Neji, qui peut frapper à tout moment de n'importe où, un peu à la Burak Yılmaz, ce genre de choses. Tu vois, c'est vraiment le mec qui a le sens du but, quoi. Tu le sens, donc qui vient un peu de nulle part. Mais voilà. Après, très clairement, avec les joueurs qu'on a en défense et au milieu, on a quand même la capacité de contenir ces joueurs-là. Tiens, Gabriel, qui dit, vu l'analyse de Joe, tout autre résultat qu'une victoire serait une déception. Oui. 3-0 pour Bordeaux avec un nouveau clean sheet. Clairement. Moi, 2-0 Bordeaux aussi. Mm. Je suis confiant. Après, voilà, les deux interrogations que j'ai, moi, c'est, comme je dis, l'absence de la coupe et Bakwa qui vont peser pour nous et cette coupure qu'on a eue là pendant 15 jours. Alors, on me dit, oui, Laval aussi a la même coupure, mais sauf que Laval était sur une mauvaise série. Nous, on était dans une bonne dynamique. Oui. Et la problématique, c'est quand tu as. Voilà. Et quand tu as une trêve, pour les équipes qui sont en difficulté, c'est très bien. Pour les équipes qui sont en forme, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, mais ça va être intéressant de voir comment l'équipe va réagir après cette trêve-là aussi. Voilà. Regardez bien l'équilibre du milieu de terrain et de la personne, du joueur qui remplacera Tom Lacou. Ce sera intéressant. Ou le système qui sera mis en place pour compenser Lacou. Attention, c'est le système qui sera changé. Mmh. Voilà. Je pense pas, mais c'est possible. Bon, messieurs, on est arrivé au terme. Pff, déjà 21h27. Ouais. Popopopo. Allez, on a tout abordé. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre ? Non, bah, merci à tous pour avoir atteint la barre de plus de 150 likes. D'ailleurs, on est à 166 likes. Donc, merci d'avoir atteint l'objectif. Déjà d'une. D'accord. On fait ça pour vous et on est content que ça vous fasse plaisir. Quel enthousiasme! Quel enthousiasme! Oh là là! Allez, Conan, merci pour ton retour. Pardon, je tousse un peu, je suis un peu. Ouais, ça fait plaisir. Merci Gino, merci Joe. Merci on espère la caméra prochaine fois, Joe. Et on salue Samuel, Monsieur Samuel Vasselin. Salut qui était là et n'oubliez pas, on a eu Lassina Diabaté pour nous parler des leaders. Ouais, merci à toi Nico pour nous l'avoir déniché. Merci Nico. Bah, moi je lui ai demandé de venir et il l'a gentiment accepté et c'est vrai qu'il n'était pas forcément disponible. Vous avez vu, il était dans sa voiture. Ouais, ça fait plaisir d'avoir des gens quand même. C'est un passionné qui ont marqué l'histoire du club, et voilà, c'est ça, et qu'il soit disponible ça. Comme ça. Passionné du foot et des Girondins, et dès qu'il est présent, c'est toujours un gros moment de plaisir, et ça apporte toujours quelque chose, donc merci à lui. Ouais. C'est toujours intéressant d'avoir un homme comme ça. Ça, c'est ouais, ça, c'est tout à certain. Exactement, merci à toutes et tous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez le replay.
N'oubliez pas de liker, de partager et de devenir sociaux si vous avez envie. Voilà, allez, on se quitte avec le générique des sociaux. Prochaine émission, c'est jeudi soir. Salut. Ciao. Ciao. Le générique arrive. Ça arrive.